qui fout ce camp? Qu'est-ce que t'as fabriqué? T'as presque une heure de retard, Yvon. Jacques et Sylvie vont arriver d'une minute à l'autre. Tu vas te changer, tu vas pas rester comme ça pour dîner. Je me suis fait des soucis, moi je savais pas si je vais faire partir le gigot. Yvon, réponds-moi. Dis quelque chose. Pas jaune. Quoi? Pas jaune, bottin. Pourquoi pas jaune? Agence de voyage, l'enfermé à sortir à France. T'as eu un accident, c'est ça, hein? Je sais pas pourquoi, mais je le sentais. Air Afrique, Air France, 01-44-08-22-22. Pourquoi Air France? 01-44-08-22-22. Yvon, Jacques et Sylvie viennent dîner ici ce soir. Air France? Pour ton anniversaire. J'aurai deux billets d'avion, s'il vous plaît. Des billets d'avion? Pour ce soir. Ce soir? N'importe où. Yvon? N'importe où, mais très loin. Et qu'est-ce qui te prend, Jacques et Sylvie vont arriver? Pardon, à quelle heure? Quittez pas. Combien de temps pour l'air? Roissy? T'as bu? En taxi? Chouf! Pastis, tu as bu? Il est 19h30, taxi 20h, Roissy 21h, oui, embarquement 22h. Yvon, pour l'instant, j'essaie de rester calme. C'est ça, n'importe quel vol à partir de 22h. Et je sens que je vais pas tarder à exploser. Va faire les valises et prends les passeports. Yvon. Et une seule valise, une petite, hein. Oui, en première, évidemment, oui. Yvon, je vais pleurer. Tu prends juste une poignée de slip, on achètera le reste à l'arrivée. À l'arrivée où? Buenos Aires, formidable, il fait beau là-bas. 22h15, c'est parfait, ça nous laisse un quart d'heure pour le duty free. Yvon, s'il te plaît. Alors, je règle en espèce à l'aéroport. C'est ton anniversaire. Non, pas de retour, deux allées simples, on ne revient pas. Hein? Le moelle, Yvon et Marie. Oui, 1h30, attendez, je note la référence, pardon. Vous me dites 3ZY2UV. Merci beaucoup. Très aimable. Yvon. Brosse à dents, dentifrice, rasoir, ça devrait suffire. Hein? Allô, les taxis bleus, je voudrais une voiture le plus vite possible. Deux personnes pour Roissy. Le Moelle, c'est à Saint-Maur, 152, rue Pierre-Brossolette. C'est un groupe à vue avec des volets fuchsia tirant sur le lit. 15 minutes, merci beaucoup. Yvon. Marie. Non, toi, tu m'écoutes. T'as bu, t'as pas l'habitude et tu as disjoncté. J'ai pas disjoncté. Si tu as disjoncté. C'est parce qu'il prend 1 heure de question qu'on aille à Buenos Aires ce soir. Parce que Jacques et Sylvie viennent dîner ici pour ton anniversaire, c'est clair? On te donne trop de travail au bureau, tu es surmené. C'est pas grave, il faut qu'il te repose, hein. Tu as besoin de calme. Qu'est-ce que c'est que ça? 7 350 000 francs. C'est quoi? Nouveau. Mais c'est quoi? Des sous, de l'argent, des espèces, du pognon. 7 350 000 francs en billets de 500. 14 700 billets de 500. 7 350 000 francs nouveaux en billets anciens. Mais c'est quoi? C'est une grosse somme, Marie. Les passeports. Tu peux me dire ce que fait cet argent dans ta serviette? C'est pas ma serviette. Qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, je suis descendu de RER à Saint-Maur, comme d'habitude, j'ai pris la rue de la République. Comme d'habitude, ma serviette à la main, ils sont où les passeports? Tiroir du bas ensuite. J'avais eu un peu froid, je me suis dit, tiens, je vais mettre mon écharpe et mes gants, ils étaient dans ma serviette. Je me suis arrêté, j'ai ouvert ma serviette, mais ce n'était pas ma serviette. Pas ta serviette? Allez, voilà. Et comment ça, pas ta serviette? J'ai dû faire l'échange dans le RER et prendre celle-là par erreur. Ou c'est quelqu'un d'autre qui a pris la mienne par erreur et qui m'a laissé la sienne? Et pourquoi tu l'as pas rendue tout de suite? Rendu à qui? Moi c'était sous le champ, qu'est-ce que tu ferais toi? Si tu ouvrais ton sac à main pour te refaire une beauté et que tu tombais sur 7 350 000 francs. Comment tu connais le montant exact? Je les ai comptés. Tu les as comptés en plein milieu de la rue de la République? Non, à la chope de Rodez. Ça arrive, t'avais bu. Mais j'avais besoin d'un remontant, j'avais les larmes aux yeux, qu'est-ce que t'aurais fait toi? Mais j'aurais rapporté l'argent à la police. Bah, moi j'ai commandé un grand ricard, je me suis enfermé dans les toilettes. Dans les toilettes? Oui, pour vérifier que c'était vrai, je me suis assis et puis j'ai compté. Yvon? Ensuite, je suis retourné au bar et j'ai bu mon ricard. Et puis? Ben, j'en ai bu un deuxième, je suis redescendu dans les toilettes pour recompter. Et ça t'a pris une heure? Je vais pas te mentir, j'en ai bu un troisième. Je suis redescendu une dernière fois dans les water pour recompter, j'y croyais pas. Yvon? On n'aura jamais une autre occasion que cela. Il faut sauter dessus. Mais on peut pas émigrer comme ça! Mais si on peut, tiens, ça c'est pour le duty free. Mais c'est pas notre argent, Yvon! Maintenant, si, il va faire la valise. Mais Yvon, c'est du vol! Pas du tout, j'ai longuement réfléchi assis sur les water. Cet argent doit être de l'argent sale, forcément. Des liasses de billets usagés. Entouré d'élastique, ça sent la magouille, t'es d'accord? Cet argent n'a pas été déclaré, pas d'impôt, pas de TVA. C'est du blague, cet argent n'existe pas! Comme il n'existe pas, j'ai pas pu le voler. Oh, ah. Alors, j'ai ma conscience pour moi, Marie. Ça fait 20 ans qu'on me paye une misère pour compter le pognon des autres. Ben maintenant c'est fini, je viens de toucher mes indemnités. Avec ça, tout est possible. On recommence une nouvelle vie, on file au soleil, à Buenos Aires, on ouvre n'importe quoi, un petit resto, tiens, un bar à cidre. Et si ça marche, on fait galette. Et la police? Mais comment veux-tu que la police sache quelque chose? Le type qui a perdu cet argent ne risque pas de porter plainte. Va faire la valise, Marie. Yvon, je veux dîner avec Jacques et Sylvie ce soir. Je veux manger notre gigot. Je veux rester ici au 152 rue Pierre-Brossolette. Je veux me lever demain matin et ouvrir les volets sur notre jardin. Et puis descendre et puis donner à manger à notre gens. Ça, je suis là, je ne peux pas rester ici. Je ne peux plus retourner au bureau, je suis grillé. Mais c'est pas trop tard. Mais si. J'ai pris la serviette d'Al Capone. Et Al Capone à la mienne, dans laquelle il y a les papiers du bureau avec l'adresse du bureau. Lundi matin, Al Capone va débouler pour s'occuper de sa serviette et de celui qui l'a récupérée.
J'ai tendance à penser qu'il serait plus raisonnable que nous soyons à quelques milliers de kilomètres de là, dans un pays comme l'Argentine, en train de servir des crêpes, sous un nom d'emprunt, un nom de crêpier, Le Goff, par exemple. Mais enfin, Yvon, il va nous retrouver qu'on s'appelle Le Goff, Durand ou Dupont. Mais comment, il ne saura pas où on est. Mais la police, Interpol. Oublie Interpol, il ne peut pas aller à la police pour les raisons que j'ai déjà expliquées. Al Capone a truandé la société de 7 350 000 francs et vient de se faire avoir comme un gamin par ton petit Yvon, Marie Lemoine. Je t'ai jamais vu comme ça. C'est parce que j'attendais le bon moment pour déployer mes ailes, Marie. Voilà pourquoi. Oui, mais moi, je t'aimais comme tu étais avant. Un peu veule, une sorte de chiffre molle. Cet homme n'existe plus, Marie. Je veux pas y aller. Comment ça? Je veux pas aller en Argentine. Tu vas pas idiot, on est allé 3 fois à Marbella, t'as adoré. C'est pareil, c'est la même langue. C'était des vacances, pas de l'immigration. Cool, tu t'aimes pas l'Argentine, on y passe à Cuny, je peux pas te dire mieux, on ira ailleurs, en Australie, aux Antilles, à Bali. Ah, tiens, on achètera Bali, ça va pas être bien grand, ça va pas être bien cher. Mais moi, je suis contente ici, Yvon, je veux pas déménager. Et peluche. Ils prennent les chats dans les avions, tu sais. Et la famille? Quelle famille? On n'a pas de famille. André et Maud. Maud, mais c'est ta cousine Javel. On l'a pas vue depuis 20 ans. Eh ben, je lui envoie une carte de vœux tous les ans. Et bah, cette année, tu l'enverras de Buenos Aires, signé Le Goff, ça la changera. Va faire la valise, Marie. Ça c'est Jacques et Sylvie, moi je m'occupe de la valise, toi tu les expédies. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Eh ben qu'ils aillent dîner chez Maxime, ah mes frères, t'es mais... pas leur. Oh, mais c'est ton anniversaire enfin, c'est son anniversaire. Oui, oui, oh là là, je suis désolée, je croyais que j'attendais quelqu'un d'autre. Inspecteur Roussillon, madame commissariat de Saint-Maur. Commissariat de Saint-Maur? C'est cela même, madame. J'aimerais parler avec le monsieur qui habite ici. Le monsieur? Votre époux, j'imagine. Enfin, oui, ben, c'est-à-dire que... Écoutez, est-ce que vous pouvez... C'est quoi le problème exactement? J'aurais préféré voir votre mari, madame. Le Moelle. Madame Le Moelle. Oui, ben, il est là, il est occupé. Vous voulez une soupe chinoise, elles sont maison. Non, merci, j'ai fait un peu de cholestérol. Ah, 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 excusez-moi, je suis pas. Yvon, c'est mon mari. Oh là là. Excusez-moi, inspecteur, si vous permettez, je vais juste jeter un... Un tout petit coup d'œil. Bien sûr. C'est Jacques et Sylvie, j'imagine. Viennent pour dîner. Les coquards. Jacques et Sylvie coquards. Essayez-vous, je vous en prie. Yvon! Oui, on va dîner à la maison, juste tous les quatre. Yvon et moi, et Jacques et Sylvie. Pour son anniversaire. Bien. Celui d'Yvon, hein, pas celui de Jacques. Non, je vous dis ça parce que l'anniversaire de Jacques, c'est... Enfin, je me souviens pas la date exacte, mais sauf que c'est pas maintenant, hein, non. Non, parce que c'est un taureau avec sa femme. Enfin, je veux dire, ils sont très proches l'un de l'autre, avril-mai. Oui, vous pourriez peut-être les faire entrer. Oui, bien sûr. Ah, voilà. J'avais cru. J'avais annoncé 15 minutes, finalement, je suis arrivé en 7. J'ai bourré. Pardon. Alors comme j'étais en avant, je me suis dit qu'il valait mieux que je prévienne. Le compteur tourne. Le compteur. Taxi bleu. Ah oui. Charles de Gaulle, on m'a dit des bagages. Ah oui, des bagages. C'est pour ma soeur. Elle est venue passer quelques jours à la maison et puis elle part ce soir chez elle. Elle rentre à Charles de Gaulle. Enfin, je veux dire par Charles de Gaulle. Monsieur Lemoyle. Quoi? Non, à la radio, on m'a dit ce nom-là. Oui, non, monsieur Lemoyle ne part pas. Non, non, il reste ici pour son anniversaire. Il a juste téléphoné. Ah bon? Mais oui. Non, non, le vol, c'est pour ma soeur, pas pour mon mari. Hein. Il vole jamais le jour de son anniversaire. Jamais. Ni les autres jours, d'ailleurs. Hein. Non, non, ça, oula. C'est quelqu'un qui vole moins que mon mari, ça n'existe pas. Bon, alors combien de valises? Je sais pas. Il en faut une pour la brosse à dents et puis une autre, je sais pas, pour le dentifrice, mais allez attendre dans votre taxi. Monsieur Lemoyle s'occupe des bagages. Ma soeur n'est pas tout à fait prête. Très bien, je suis bien au coin. Elle va où? Saint-Denis. On a une Rancy. Oui, ben, Saint-Denis à la Réunion. Elle habite là-bas. Elle est venue nous voir quelques jours et puis elle repart dans son île, là. Très bien, je les attends dans le bahut. Les? Oui, au standard, ils m'ont dit 2 personnes. Ah, ah oui, bah, je suis bête, elle est avec son mari. Elle adore les oursins. C'est pour ça qu'ils sont allés s'installer là-bas. Bon, ils étaient sur Paris, mais ça leur revenait hors de prix, hein. Les oursins, je veux dire. Ils ont compté de la fraîcheur, c'était pas ça. Alors, ils ont filé à...
l'île Maurice. Vous avez dit qu'ils habitaient La Réunion ? Oui, c'est là qu'ils habitent, oui. Oui, mais là, vous venez de dire l'île Maurice. Non. Si. Non. Si. 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 Si, si. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, ça c'est leur nom. Ils s'appellent Lily et lui Maurice. Liliane et Maurice. D'ailleurs, quand on parle de toujours, hein, pour rigoler, on dit l'île Maurice, parce qu'ils habitent la Réunion. Et tout est vrai, tu dis pas assez de gens qui suivent. Ils vont, on a de la visite. Hein. Ah, des taxis bleus déjà, bah, dis donc. Vous êtes fait escorter par la police ou quoi, comme ça? Je suis la police. Génial. La police. Inspecteur Roussillon, commissariat de Saint-Maur. Ah, d'accord. Il y a un problème avec ma femme Tu as fait une bêtise, ma chérie, tu sais que tu peux tout me dire. Vous êtes bien monsieur Lemoël, Yvon Lemoël? C'est moi, oui. Est-ce que je pourrais vous parler en particulier? Bien sûr, oui, tout de suite. Je peux attendre que votre belle-sœur soit partie. Sa belle-sœur? Oui, parle de Lily. Si j'ai bien compris, ils sont sur le départ. Ils sont sur le... Lily et Maurice. Ils sont pressés de partir à La Réunion. Ça, quand on a une réunion... Aïe, aïe, aïe. Mais non, enfin... Mais non, la réunion de l'océan Indien pour les... Pour les oursins. Pour les manger frais, ces trucs-là. C'est très gentil d'avoir descendu leur bagage, hein. C'est normal, hein, c'est ta famille. Bon, ben voilà, je pense pas que ce soit nécessaire d'attendre le départ de Lily et de Maurice. Non, les affaires de la police sont priorité. Venez dans la cuisine, inspecteur. C'est le seul quartier chaud de cette banlieue, mais vous risquez rien, je vous cours. Mon Dieu. C'est excellent. Non, il est déjà là. Ah bon? Ben oui, il attend au coin de la rue Lily et Maurice qui partent à la Réunion, hein. Oui. Non, ce coup-ci, ça doit être Jacques et Sylvie qui viennent dîner ici ce soir pour ton anniversaire. Non, très bien, dis-leur de déposer leur cadeau et de s'en aller. Non, c'est vrai, j'ai décidé de garder ma petite femme pour moi tout seul. Après tout, c'est mon anniversaire, pas celui de Jacques. Non, c'est un taureau avec sa femme. Une raison de plus, non, j'avais envie de faire un truc à deux, ce soir, pour changer. D'ailleurs, on va commencer dès que l'inspecteur sera parti, n'est-ce pas, chérie? Vous vouliez me poser quelques questions? De plus en plus. Un rallonge dans la cuisine. Vous pourrez peut-être se parler plus tranquillement quand vous serez débarrassé de vos amis. Et que votre belle famille sera partie. Oui, ma belle famille, ils sont là. Lily et Maurice, oui, ils sont là-haut dans leur valise, prêts à partir. Enfin, chacun dans la sienne, bien sûr. Excusez-moi. Mais vous ne pourrez pas traîner, j'ai pas que ça à faire. J'arrive. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Lily et Maurice? Et tu m'avais dit que le type n'irait pas à la police. Quel type? Al Capone. Mais il est peut-être là pour autre chose, ça peut être que ça, hein. Mais alors, ramasser n'est pas volé, puis rien ne prouve que ce ne sont pas mes économies. 7 350 000 francs. Je dépense très peu. Oh mon Dieu, moi j'ai besoin d'un petit cognac. Tu n'as jamais bu de ta vie, Marie. Eh ben, il faut un commencement à tout. Ressaisis-toi, Marie, c'est Jacques et Sylvie, c'est le plus beau jour de notre vie, ok? Qu'est-ce que tu le dis, hein? Bon, désolé, Jacques, le type, c'est pas Jacques. Ah non, moi c'est Louis. Et je vous signale que le compteur tourne. Le compteur? Mon taxi. Ah, bah vous voilà enfin, vous. Oui, ça fait déjà un petit moment que je pourrais retourner. Bah, fallait le dire, on devrait déjà être parti. Il y a ma femme, il y a la valise. Commencez à charger. L'inspecteur. Non, l'inspecteur ne vient pas avec nous, Marie. Quel inspecteur? Si on vous le demande, vous, dehors, et toi aussi. Non, j'y vais pas, moi. Si, tu y vas. Non. Bah non, c'est sa sœur. Oui, bah moi je veux qu'elle aille à l'aéroport avec sa sœur pour les adieux, tout ça. Là, on prenait cette valise en route. Je sais pas cette valise, vous, toi tu commences à délirer. Bah, mais fais ce que je te dis et arrête de boire! Non, mais votre sœur n'a qu'à prendre sa valise elle-même. Elle peut pas. Bah pourquoi ça? Elle peut pas, parce qu'elle peut pas. Elle peut pas, elle peut pas. Elle peut pas. Elle est handicapée, elle est née avec des tout petits bras. Même pour nager, il lui faut les rallonges en titane. Dehors, allez vérifier le terminal Air France pour Buenos Aires. Ah non, c'est AOM pour La Réunion. Oui, mais avec escale à Buenos Aires. On en a pour combien de temps? Toute la nuit. Non, pour l'air aussi, je veux dire. Oui, c'est ce que je dis. Mais partez comme c'est parti, toute la nuit. Dehors. Et toi aussi? Non, je peux pas. Il faut que tu partes sans moi, il faut. Mais ne dis pas n'importe quoi. Mais je peux pas partir comme ça. Je sens que je vais faire une dépression, moi. J'ai déjà sombré dans l'alcoolisme alors qu'il n'y a pas 10 minutes, je buvais même pas, enfin. Combien de fois faut-il que je te le dise? Lundi matin, capable d'aller directement au bureau. Si je suis pas là, il n'a aucun mal à retrouver mon adresse personnelle et il rappliquera ici. C'est
te trouves toi à la maison un capote de découper en petits morceaux, à la cigrine, qu'il mettra dans les sacs poubelles et qu'il déposera un peu partout dans le quartier. Voilà ce qui va arriver. Voilà, et tout ça grâce à toi. Tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Tu prends des whisky. Non, tu mélanges la vodka et le whisky. Elle a un début de diabète. Bon, fin. Bien, est-ce que je dois attendre encore longtemps? Non, j'arrive. C'est parti. Qui ça? Votre belle-sœur et son mari. Monsieur et madame? Monsieur et madame... Maurice et Lily. Oui, je sais bien que c'est Maurice et Lily. Alors... Non, c'est leur nom de famille qui m'échappe. Je connais que ça. Un nom de chaussure. Mêle-moi, toi. Tong. Lily et Maurice Tong de la rue. Donc je vous demandais si monsieur et madame Tong étaient déjà en route pour l'aéroport. Non, presque. Non, cette fois c'est Jacques et Sylvie, tu sais ce qu'il faut leur dire. Oui. Que tu me donnes mon cadeau d'anniversaire au lit, qu'ils ne sont pas invités ce coup-là, allez. Voilà. Allez, ben, dans voilà. Un état. Oui, oui, je suis en retard, désolée. C'est pas grave, hein. Quand j'ai lu pour l'instant, il n'y a que moi, mon crétin de mari est en train de se battre dans la rue avec un chauffeur de taxi. T'avais pas pris votre voiture? Ah bah si, justement, Jacques est furieux. Il a emplafonné le taxi qui attendait au milieu de la rue. Jacques dit qu'il n'avait pas ses lumières. C'est rien. Tu rigoles. Le chauffeur de taxi l'a traité de peau de nœud et Jacques a proposé de lui faire le nez. Il dit que c'est rien vu ce qui se passe ici. Yvon est devenu fou. Il est en train de se faire interroger dans la cuisine par un flic. Yvon, pourquoi? Parce que... il a volé 7 350 000 francs. C'est pas drôle. Il a pris la mauvaise serviette, il est allé à la chambre de Rodez, il s'est installé dans les toilettes, il a compté 3 fois. Et maintenant, il veut m'emmener à Pénosserre. Là, je te suis plus. Voilà, et si ça me plaît pas, il m'achètera pas, lui. T'as bu? Ah oui, je suis alcoolique, maintenant. Il y a un flic dans ma cuisine et je sais plus, mais du tout. Mais c'est pas possible, Yvon peut pas avoir volé 7 350 000 francs. Il volerait même pas. Oh merde, il l'a fait. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Oh bah moi je laisserais tomber à l'alcool et je foncerai à Buenos Aires. Cette espèce de con, appelle la police. Le taxi? La police? Bonsoir Marie. Il dit qu'il attend ta soeur pour l'emmener à Roissy. Et Marie aussi. Marie, moi pas. Elle vient de s'y mettre, Cognac. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire de police? Ce connard de taxi les appelle avec sa radio. Il dit que je suis menacée. C'est un peu vrai. Mon Dieu! Mais dis-moi, je savais pas que t'avais une sœur. J'en ai pas. Le taxi, c'est pour nous. On va à Pénosserre. À Pénosserre? Et le dîner? Laisse tomber, Jacques. Va faire tes excuses au taxi. Ça me ferait mal. Ce salopard m'a traité de pine d'ours. Ah! Je vais pas m'excuser, en plus. Hein? Bon. Il est où l'heure de la fête, le gâteau, les bougies, tout ça? Laisse tomber, je te dis, va faire tes excuses, on n'a pas besoin d'un deuxième flic ici ce soir. Comment ça, un deuxième flic? Yvon est dans la cuisine en train de subir un interrogatoire en règle pour vol. Pardon, j'ai dû rater un épisode. Incroyable, non? Qu'est-ce que ce pauvre Yvon est censé avoir volé? Oh, 735 briques. Briques de quoi? Briques de flic. De l'argent? Ça l'a rendu fou. Tu m'étonnes. Et comment? Il a piqué le sac d'une vieille? Non. La serviette d'Al Capone dans le RER. J'arrive, inspecteur. C'est des vrais. Marie, je t'avais demandé de ne rien dire. J'espérais que Jacques pourrait te raisonner. Tu devais prendre leurs cadeaux et les foutre dehors. Ah, ça fait plaisir, merci. Et arrête de boire, t'as pas l'habitude. Je m'y fais doucement. Qu'est-ce qu'il dit, l'inspecteur? Ah oui, raconte. Je ne crois pas. Fallait la rendre, cette serviette. Dis-lui que... c'est ce que tu allais faire, tu t'en es rendu compte juste en arrivant ici que tu étais la mauvaise serviette. Mais il est même pas au courant pour l'argent. Tu viens de dire qu'il te croit pas. Oui, il me croit pas. Il croit pas quoi? Mais j'ai des problèmes de cystite. Quoi? Oui, et que c'est pour ça que j'ai été pissé 3 fois en moins de 10 minutes. Puis il était même pas de service, il était à la chope au bar en train de boire un coup. Il m'a vu partir 3 fois dans les toilettes et sortir de plus en plus excité. Il dit que je regardais partout autour de moi de manière furtive, que j'avais une dilatation manifeste des pupilles et un tremblement notoire des mains. Mais compte tenu de ce que tu faisais dans les toilettes, moi ça me paraît normal, hein. Oui, mais j'allais pas lui dire ça, hein. Tu lui as dit quoi? J'ai noyé le poisson, je lui ai dit que j'étais en manque et que je faisais des passes dans les chiottes pour payer ma dose. Tu viens d'avouer un flic que tu te prostituais pour de la drogue. Ah non, je lui ai dit que c'était surtout par vice.
et qui ont pu peut-être s'arranger parce que j'avais certains moyens avec Dibri qui va se calmer. Yvon, tu peux quand même pas acheter un officier de police. Ah non, c'est pas possible. Enfin, je peux offrir un petit cadeau à mon copain Roland. Roland, comme ça que je l'appelle, l'inspecteur Roussillon, quand il est pas de service. Mon copain Roland, qui attend tranquillement son petit cadeau dans la cuisine. C'est en pain fait. Oh là là, je sens que je vais revoir un petit coup. Moi aussi. J'arrive pas à y croire. J'ai épousé un petit comptable et je me retrouve en cavale avec un toxicomane prostitué. Et bien, chète. En plus, il recoupe le pognon, la confiance. Yvon. Laisse. Si c'est cet enfoiré de taxi. Mais non, Jacques, tu te calmes tout de suite, s'il te plaît. Je suis très calme. Dégage. C'est lui. Mais cet abruti m'a complètement enfoncé l'aile, maintenant elle frotte sur le pneu, je peux plus bouger ma caisse. Mais comment on va à Roissy, nous? Bon, maintenant, Jacques, ça suffit, tu vas l'aider à redresser son aile, s'il te plaît. Eh oh, 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 oh. Minute papillon, je ne touche à rien, moi. Ce naze a appelé la police. La police? On aurait pu s'arranger à la mienne, maintenant je vais perdre mon bonus. Mais non, pauvre nous. Ouais, je les ai bien appelés, mais j'ai rien compris, ils m'ont fait attendre. J'entendais de l'accordéon, il y a des mecs qui chantaient dans le fond. Puis au bout d'un moment, ils m'ont proposé de passer prendre l'apéro, alors je laissais tomber. Bon, ok, ça va. On va voir ce qu'on peut faire, vous avez des outils? Bah vous voyez, il est pas si méchant que ça. Si, mais je prends sur moi. Bon, dès que votre belle-sœur et son mari sont prêts. On vous a pas dit, c'est pas ma belle-sœur et son mari. Ah bon? C'est ma femme et son mari, elle est dehors, allez. Marie, on se reprend, on respire un grand coup et on fonce. Pour une fois qu'on n'a pas joué, on a décroché la super cagnotte. Tiens, prends ça, moi je vais aller activer mon ami Roland, voir s'il a fini de compter son canon. Ah non, moi je préférais la chiffre molle à cheveux. Mais c'est peur! Désolé. Oh. Désolé, désolé, désolé. Vous êtes bien, Madame Lemoyne? Oui, pourquoi? Non, c'est le. La porte était ouverte là, je peux rentrer? Oui, oui. Voilà, voilà, c'est-à-dire que. De quoi s'agit-il, vous? Vous vendez quelque chose? Ah non, pas du tout, non, 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 non. Inspecteur Renard. Vous inspectez quoi? Ah ben, les gens, enfin... je suis la police. Commissariat de Champigny. Pas sa mort. Ah non, non, madame. Est-ce que vous voulez bien vous asseoir? Non, non, je préfère rester debout. C'est au sujet de monsieur Lemoyne. Oui. Oui, et je pense qu'il serait préférable que vous vous asseyiez. Et vous voulez voir mon mari... Pourquoi exactement? Non. Non, c'est vous que je suis venu voir, Madame Lemoyne. Moi? Oui. Oui, je suis désolé, mais... Mais j'apporte d'assez mauvaises nouvelles. Ah bon? Vous vous demandez sans doute pourquoi votre mari n'est pas rentré ce soir. Non, oui. J'étais inquiète, oui. Ah ben vous... Vous aviez raison d'être inquiète. Hein. En fait, nous craignons que Monsieur Lemoyne n'aille pas très bien. Enfin, même... Pas bien du tout. Ça, oui. En fait, nous avons même peur que Monsieur Lemoyne ne soit, comment dire... décédé. Elle est décédée. Ben oui, je suis désolé de vous annoncer ça d'une manière aussi brutale, mais on va avoir besoin de votre présence pour venir l'identifier d'une manière formelle. Il s'agit d'un meurtre. Écoutez, ça doit être une erreur. Je vais vous préparer un café. Un café? Oui, ou un thé, enfin quelque chose de chaud et de sucré, ça aide dans ces moments-là. La cuisine. Non, écoutez, est-ce que vous pouvez. Qu'est-ce qui vous donne l'impression qu'Yvan est mort? Oh ben ça, c'est surtout les deux balles de Magnum 357 qu'il a derrière la nuque. Et le fait qu'on ait repêché son corps inanimé dans la marne. Avec les jambes attachées avec du fil de fer. Les jambes? Ah ben les bras aussi. Les bras? Les pieds, eux, étaient coulés dans du béton. Alors c'est pas un accident? C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous n'avons pas retenu cette hypothèse. Je vais vous préparer un café. Non, écoutez, franchement, je préférais quelque chose de plus fort. Vous êtes sûr? Oh là, oui. Alors ça, après un choc, c'est pas trop conseillé pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Il faut que je commence à l'apprendre, hein. Servez-vous. Jamais pas en le service, madame. Oh, je le boirai pour vous. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est mon mari?
Bah c'est... C'est sa serviette, n'est-ce pas? Attachée également à son poignet avec du fil de fer. Sa serviette? Bah oui, c'est... C'est bien la serviette de votre mari, Madame Lemoyne. Ça y ressemble. Elle est un peu mouillée. Ben, elle était dans la Marne. C'est ça. Ah oui. Vous pouvez l'ouvrir. Ce sont bien les affaires personnelles de Monsieur Lemoyne? Apparemment, oui. Votre mari travaillait pour le cabinet d'experts comptables Jeune et Constant, n'est-ce pas? Oui, dans le 8e. Eh ben oui, voilà, c'est ça, 64 rue de Marignan, il y a des lettres qui lui sont adressées, là, c'est Yvon M. Lemoyne, c'est bien lui. Yvon Marie Lemoyne, oui, oui. Il y a même un agenda avec la liste de tous les employés, leur numéro personnel, dont le vôtre. Vous êtes sur liste rouge, mais évidemment, ça, non. Nos services ont rapidement retrouvé votre adresse. Il y avait également ceci. Gruyère tomate, je pense. Il me dit qu'il adore ça, mais il le finit jamais. On va donc avoir besoin de vous pour l'identifier formellement. Je comprends, oui. Il a dû beaucoup gonfler, mais c'est un gruyère tomate, je le reconnais. Alors, non, je parle du corps. Mais je peux vous amener en voiture, il y en a pour 5 minutes. Ah bon, très bien. Alors, ben écoutez, passez devant, je vais chercher mes affaires. Vous voulez pas que je reste à vos côtés, parce que alors là, vous avez l'air un peu... Ben oui, ben, c'est-à-dire que c'est la serviette de mon mari dans la main d'un autre homme, ça me retourne. Ben oui, je comprends, oui. Vous êtes seul ici? Quoi? Non. Non, non, je vous demandais, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour vous soutenir? Oui, justement, j'ai ma sœur et son mari. Oh, bah très bien. Bah comme ça, vous serez pas seul ce soir. Non, 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 Lily et Maurice sont là-haut dans leur chambre. Bon. Écoutez, alors, dans ce cas, je vous laisse quelques minutes en famille, hein, le temps que vous annonciez la triste nouvelle, et je vous attends dans ma voiture. Il m'en prenait de 500, putain, il a le... Yvon être atrocement peiné d'apprendre ça là-haut, Lily et Maurice. Hein. Ce monsieur est inspecteur de police. La police de chez la police de Saint-Maur? Ah non, Champigny, hein, inspecteur Renard. Un problème? Tu vas avoir beaucoup de mal à croire ce qu'il vient de me dire. Vous êtes sûre que ça va, Madame Lemoyne? Vous voulez pas vous rasseoir un moment? Merci, je préfère rester debout. Je suis plus à ma main pour me servir. J'en aurais peut-être besoin. Bon, très bien, inspecteur. Quel est le problème? Je suis Monsieur Lemoyne. C'est ce que je disais. Apparent. Apparent de qui? Eh ben, un parent de Monsieur Yvon Marie Lemoyne. Mais je suis... Mais c'est effectivement un parent. C'est son frère. Je suis son frère. Voilà. Je vous présente le frère de ce pauvre Yvon. Frédéric. Frédéric, je suis le frère d'Yvon, Frédéric. Fredo. Eh ben, monsieur Lemoyne, j'ai une pénible nouvelle à vous annoncer. J'en ai peur, oui. Vous préférez peut-être lui dire, madame. Monsieur Lemoyne, nous avons toutes les raisons de croire que votre frère, monsieur Yvon-Marie Lemoyne, est décédé. Je t'avais dit que t'aurais du mal à le croire. Effectivement, oui. Un meurtre. Et non, vous en êtes sûr? C'est-à-dire qu'on a retrouvé son corps au fond de la Marne avec 2 balles dans la nuque, ligotées, cimentées. Nous ne croyons pas à l'accident. Oui, non, non, je veux dire, comment pouvez-vous être sûr qu'il s'agit de mon frère Yvon? Ouvrez cette serviette. Ah non, non, pas la serviette, pas la serviette. Ah non, 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 non. Non, 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 c'est la serviette de ce pauvre Yvon qu'on a retrouvé au fond de la Marne, attachée à son poignet. Puisque vous êtes là, on pourrait peut-être éviter cette épreuve à Madame Lemoyne. En tant que frère du défunt, vous pourriez venir identifier le corps à sa place. Oui, ça va me faire tout drôle.
d'identifier le corps de mon frère Yvon. Yvon me laisse pas seul. Non, Yvon n'est plus là, Marie. Yvon n'est plus là. T'as entendu ce qu'a dit l'inspecteur? Yvon n'est plus là. On peut plus rien pour le faire revenir, Yvon. C'était un bon comptable. Le bilan est positif. Il est sûrement au ciel maintenant, mais je suis là. Maintenant, c'est moi, Frédéric. Fredo, non. Veuillez excuser ma femme. De ne pas être là dans un moment pareil. Elle se repose. Geneviève. C'est mon épouse, Geneviève. Tu la connais, hein? Non, nous rentrons ce soir pour la réunion. Nous sommes dans l'aquaculture là-bas. Nous étions dû passer quelques jours à Saint-Maur avec Yvon et Marie. Pauvre Yvon. Pauvre Geneviève, ça va lui foutre un coup. Ah, ça oui. Et c'est surtout qu'il va falloir annoncer ça il y a Maurice là-haut, un Fredo. C'est bien ça qui me fait peur. Alors, ils étaient très proches, très soudés. C'est une catastrophe. Écoutez, inspecteur, je pense que la meilleure solution. Oui. La meilleure solution. Oui. La meilleure solution. C'est, voilà, ce serait de réunir toute la famille autour d'un bon grog. Un bon grog, bien chaud, bien sucré, comme on fait chez nous dans les îles quand on a un gros pépin. Alors, si vous pouviez nous attendre dans la salle à manger, inspecteur, je prépare tout ça et puis je reviens vous chercher. Bon, vous savez, madame Lemoine, vous avez de la chance dans votre malheur d'avoir autant de monde autour de vous dans un moment pareil. Une famille comme ça, on a du mal à croire que ça existe. Je ne pars pas tant que je n'ai pas mes 1500. À vous de jouer. C'est mon autre frère. C'est Bruno. C'est Bruno. 1500, à vous de jouer. On était en plein Scrabble et... Il joue contre nous deux, il est redoutable. À 1500 points avant les comptes, il nous écrabouille, il trouve de ses mots. Il trouve de ses mots, il vient de nous balancer cyclothymique sur nos triples. Moi, j'avais Odouillette, j'ai pas pu le placer comme moi. Yvon n'est plus là-bas, c'est moi, Fredo le moelle, le frère à Bruno. Ça va être dur, mais on va s'en sortir. Fredo et Geneviève vont s'occuper de toi maintenant. Mais qu'est-ce qu'on va faire, hein? On va prier. On va prier pour Yvon, l'inspecteur va nous attendre dans la salle à manger, on va aller préparer un bon grog dans la cuisine, et puis on annoncera la triste nouvelle à Bruno, dès qu'il aura fini son scrap. Bon. Et puis on laissera Bruno l'annoncer à Lily Maurice. Ah, mon Dieu! Lily Maurice va l'annoncer à Geneviève! Ah, mon Dieu! Geneviève va l'annoncer à l'inspecteur! Tu me sers! L'inspecteur annoncera à personne, c'est une histoire de famille, ne bouge pas, Jacques. Non, installez-vous dans la salle à manger, inspecteur. Vous résoudrez ce problème. Mais c'est une catastrophe! Pas du tout, ça c'est un double jackpot. Comment ça, un double jackpot? Réfléchis, fais marcher ton cerveau. Si Yvon Lemoyne a été flingué, cimenté et noyé, ça veut dire que personne n'ira le rechercher dans sa petite crêperie sur la plage de Buenos Aires. C'est quoi l'autre moitié du double jackpot? Mais comme Al Capone a été flingué, cimenté et noyé, Al Capone ne peut plus nous poursuivre. Non, mais le flingueur, cimenteur et noyeur, il va peut-être venir nous faire la même chose. Ah, ce que peut être négatif. Ah. Oui. Ben oui. Bon, on expédie d'abord frère Bruno. Frère Bruno? Oui, l'inspecteur Roussillon, le ripou, il attend 6500 balles dans la cuisine. L'argent, oui, l'argent! Oui, l'argent! L'argent, là! J'aurais dû dire la vérité dès le début. Là. C'est toi qui me dis ça? Toi qui as inventé Lily et Maurice? Qui m'a réincarné en Fredo? Le frangin de moi? Réponds. Bah, oui, enfin. Allô? Allô? Comment? Je comprends pas. Qui c'est? Je sais pas, c'est un étranger. Allô? Comment? Non, pas les Français, là, parce que... C'est un danseur russe. Un danseur russe? Il répète, ça vient de balai, un truc comme ça. Raccroche. Allô, non, je raccroche pas. Allô, attends. Allô? Serviette bêlée. Il dit serviette bêlée, pas balai, bêlée, blé, le fric dans la serviette. Désolé, c'est un faux numéro, c'est une erreur. C'est Flinger. Celui qui a liquidé Al Capone. Et comment il a eu notre numéro? Eh ben c'est facile, il l'a trouvé dans la liste qui était dans la serviette sandwich que tu as laissé à la place de la serviette bêlée. C'est l'inspecteur Renard qui l'a. Mais oui, mais avant qu'il la trouve, c'est lui qui l'avait. Al Capone l'a livré au Flinger, le Flinger l'a ouverte en s'attendant à trouver 735 briques. Et à la place, qu'est-ce qu'il y avait? Eh ben il y avait une écharpe, une paire de gants, une gruyère tomate et une liste de noms et des numéros de téléphone dont le nôtre. Rambert, c'est ça. N'est pas notre adresse au moins. Non, hein. Non. Je vais le tuer, ce mec. Ça y est, on a débloqué son pneu. Mais ce con a roulé sur ma veste. J'avais posé par terre pour pas la salir. Regarde-moi ce travail. Elle est ruinée. Formidable. Eh ben on voit bien que c'est pas ta veste. Mais hein. Je dis formidable, comme ça on peut y aller. Tout ça. Mais à Roissy, je te blague. Mais tu peux pas y aller maintenant. Au contraire, je ne peux plus faire autrement. Mais il y a l'autre inspecteur qui nous attend.
Quel autre inspecteur? Laisse tomber. Il y en a un dans la cuisine et l'autre dans la salle à manger, enfin. Mais Jacques s'en fout. Bon, Jacques, tu auras un service. Tu attends qu'on soit parti. Ensuite, tu files ces trois billets au flic qui est dans la cuisine. Dès qu'il a dégagé, tu vas voir le flic qui est dans la salle à manger. Tu lui dis que tu es Maurice, mon frère de la Réunion. Tu l'accompagnes et tu dis que c'est moi. Que c'est toi, quoi? Le cadavre. Le cadavre. Oui. Celui d'Al Capone qui a été buté par le flingueur et que l'inspecteur de la salle à manger a retrouvé au fond de la Marne. Plombé par deux balles, ficelé comme une dinde, coulé dans le ciment et attaché à la serviette d'Yvan. Essaye pas de comprendre, fais ce qu'on te demande. Ensuite, tu rentres chez toi et tu oublies tout, d'accord? Ne réponds pas. Je suis pas chez moi. Tu réponds pas, toi? C'est lui. Qui? Al Capone. Non, c'est le flingueur. Oui, le flingueur. Je le connais, celui-là. Le type du Bolshoï. Pardon? Servier de balai à l'étranger. Et alors? Si c'était un Français, on l'appellerait servier de blé. Puis comment ça? Putain, mais qui ça? Comment il a eu ton numéro? Sous le gruyère tomate. Et ben voilà, j'en étais sûr. Du calme, Marie, du calme. Sortez. J'ai vers sa cognac. Non, non. Le taxi vous attend, les taxis. Elle a pété une durée. On a trop bu, c'est pas la peine de la saouler. Elle s'est bourrée comme quoi. Allô? Soviet de balai? Ça va pas, non? Non, mais dis donc, c'est pas très poli. C'est le flingueur, la politesse, c'est pas son point fort. Mais qui c'est ce flingueur? Celui qui a fait deux trous dans le Capone. Et qui l'a balancé dans la Marne. Et il a coulé? C'est dur de faire la planche avec deux balles dans la nuque et les pieds dans le ciment. Ah! Yvan! Yvan! Dis-lui que tu vas rendre l'argent! Ben ça a plutôt crevé, hein. Mais de toute façon, il manque déjà des briques! Oui. Promets-lui de rembourser! C'est comment? J'appelle le Crédit Lyonnais, je lui propose un leasing sur 15 ans, peut-être? Il peut comprendre? Elle a raison, mon vieux, ça commence à craindre, hein. Un cadavre, deux flics, un flingueur! Oui. Bravo. Yvan? Toi? Tu vas te le mettre à dos. Ah non, non, t'as très bien fait, Yvon. Sylvie. Elle a raison, Sylvie. Cette histoire ne nous concerne pas. C'est son flingueur, pas le nôtre. Alors donne-leur le cadeau. Merci pour cette merveilleuse soirée. Et ce dîner très original. Non, mais attends, et on n'a rien mangé? C'est bien ce que je dis, c'est très original pour un dîner. On va appeler un japonais en mangeant devant la télé. Regarde, prends ton sac. Allez. Oh, ben alors là, non. Moi, je reste ici, il y a un très bon programme. Mais toi, tu rentres chez toi avec Jacques, s'il te plaît, Sylvie. Non. Pas. Qu'est-ce que tu fous? Je commence à trouver le temps un peu long, je suis pas loin de m'ennuyer. Allô? Non, vous êtes chez Monsieur Lemuel. Comment? Il y a quelqu'un qui s'appelle Soviet Balai ici? Non, attendez, je réfléchis. Non, je vois pas. Non. Non, bah appelez les renseignements. Voilà. Je ne crois pas qu'on se connaisse, madame. Madame. C'est pas parti, toi. Inspecteur Roussillon, commissariat de Saint-Maur. Ah oui, on m'a beaucoup parlé de vous. En bien, j'espère. Oh, inégal. Dites, j'attends toujours votre dernier versement à nos œuvres sociales. Oui, je vous ai fait... Ah ben non, il est parti avec... Attendez dans la cuisine, je vais vous en trouver d'autres. Passez à la photocopieuse au moins. Non, non. Le compte est retourné. La réunion, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Non, on n'y va plus. Si, si, mais pas nous. Bon, qui ça alors? Monsieur Madame Tong. Qui c'est ça? Ma belle famille. Bon bah qui se mêle? Parce que moi je me... Prenez déjà la valise. Hein? Une seule? Oui. Pour les deux? Oui. Mais c'est des nudistes ou quoi la belle famille? De quoi je me mêle, hein? Ah quand même, une seule valise pour deux personnes, pour un si long voyage. Madame Lemuel est un peu nerveuse. Madame Lemuel est un peu bourrée. Vous savez, monsieur Lemuel, j'ai comme l'impression que c'est vous deux qui partez en voyage. Je me trompe. Ah, complètement. Ah, complètement. Tu veux aller à la réunion, toi, chérie? Pas du tout. Santé. Ah non, c'est Lily et Maurice Tong qui rentrent chez eux dans leur ferme marine. Ils sont dans l'aquaculture, là-bas, à la réunion. Bah,
passant par Buenos Aires. Mais ça, ça n'intéresse pas monsieur Buenos Aires. C'est juste une petite escale professionnelle. Non, parce qu'ils ont leur... Ils ont leur fabricant de bourriches là-bas, pour les vitres. Vous savez, la grosse bourriche, l'Argentine, ce qu'on appelle le gros... Et où sont-ils? Qui ça? Les tongs. Ah ben, Maurice vient de sortir. Ah, Maurice, il les adore. Voilà, et moi, Lily Tong, je suis là. La sœur réunionnaise de Marie. Ah, vous ne pouvez pas me mordre. Elle nous fait un peu d'emphysème. Bien, ben, vous avez fait la connaissance de Madame Tong. Et Monsieur Tong? Oh, Monsieur Tong, il n'a pas beaucoup d'intérêt, Monsieur Tong, vous savez. Je te signale que j'attends dehors depuis une plombe et il fait un froid de cul. Écoute, profite bien de la fraîcheur parce que chez toi, sous les tropiques, tu vas bientôt crever de chaud. Chez moi. Oui, on en parlait justement avec le monsieur de la cuisine. La cuisine? D'ailleurs, là-bas, tu n'auras pas besoin de ça. Tenez, inspecteur. Voilà le solde de notre compte, 10 briques. Pour vos œuvres sociales, à l'année prochaine, inspecteur. Bon voyage, monsieur Tong. Monsieur Tong! Excusez-le, il est un petit peu sourd, c'est pas facile, hein. Sourd? Oui! Je sais, chérie! Tong. Oh, merci. Madame... Madame Tong, ta femme! Allons-y, Maurice! Qu'est-ce que tu dis? Faut lui changer les pieds, mais t'en même, hein? Allez, au revoir, mon vieux Maurice! Ah, n'espère pas! Et ton avion? Et ton avion, tu vas rater la fraie! La fraie? La fraie, la production pour tes poissons, dans ton élevage! J'espère que vous ne faites pas le piranha. Ça peut être dangereux pour un nudiste. Je vais vous laisser à vos adieux, je voudrais pas abuser de l'hospitalité. Au revoir, inspecteur, au revoir. Ça y est, il est parti. Est-ce que quelqu'un peut me dire qui je suis? Ça n'a aucune espèce d'importance. Bon, allez, on y va. Marie, Marie, ta! Je veux pas vous presser, mais je peux pas attendre toute la soirée, là. Il fait partie de la famille, lui aussi? Non, il fait partie de la police de la salle à manger. Je m'occupe de vous, inspecteur. On avait dit grog, vous allez voir. Oh, Sylvie, il faut partir d'ici avant de terminer l'asile. Allez, qu'est-ce que tu fais? Je cherche un verre de lait des Alka-Seltzer. Ah, non, avec ce que t'as bu, il faut pas prendre de lait, tu vas te rendre malade. T'as raison. Mais qu'est-ce que tu fous en chemise de nuit? Je vais me coucher. Il y a quelqu'un qui a bu dans ma bouteille. Non! Tu peux pas aller te coucher, tu n'as que deux options, Buenos Aires ou la morgue. Oh non, mais attends, qu'est-ce qu'elle avait fabriqué à la morgue? De quoi je m'amène? Parce que le corps d'Al Capone, il est à la morgue, et que l'inspecteur Renard, il veut que j'aille confirmer que c'est celui vivant. Sylvie, pour la dernière fois, je te demande de rentrer avec moi à la maison! J'essaie d'organiser la vie de nos amis! Mais on n'a pas besoin de toi, Yvon, il va avec Louis le taxi à Buenos Aires, puis moi je vais me coucher avec Rémi Martin. Non! Toi! C'est un siège dans l'avion de Buenos Aires, à côté de moi, ou un tiroir dans la morgue, à côté d'Al Capone. Hein? Je comprends plus. Il y a 5 minutes, on allait voir baiser les poissons à La Réunion. Et maintenant, on fait la tournée des morgues en Argentine. Rentre chez toi, Jacques. Je ne demande que ça. Voilà, allez, la fête est terminée. Joyeux anniversaire, Yvon. Tu me donnes ça, tu vas te rendre malade. Mais je suis malade, je vais chercher mes Alka-Seltzer et je vais me coucher dans la chambre d'amis. Tu dormiras dans l'avion à côté de moi. Et toi, tu te trouves quelqu'un d'autre. Marie, attends. Marie, s'il te plaît. On va le rater, cet avion, on va le rater. De toute façon, Marie veut plus partir. Tu sais, va partir. Tiens, occupe-toi du taxi, tu fous pas le camp, moi. Non, moi je récupère Sylvie et je rentre chez moi. Tu m'occupes de Sylvie, toi tu me bloques le taxi, tiens. File-lui 500 balles pour qu'il nous appelle. Stop.
arrive à un mauvais moment. Ouais, bon, hein, chacun ses goûts. Non, c'est mon beau-frère. J'ai eu un petit coup de fatigue. J'ai eu un éblouissement. Vous savez ce que c'est, le stress du départ? Il nous a fait une petite chute de tension. On s'est assis histoire de se détendre. Sous la couverture. Il n'avait pas chaud. Et vous le réchauffiez? Vous savez... Non, non, je préfère pas savoir. Ah, mais c'est pas du tout ce que vous pensez! Mais je ne pense pas, je constate. Bon, écoute, Maurice, on va peut-être pas mentir à ce monsieur, c'est pas un enfant de cœur non plus. C'est pas la première fois qu'il voit deux garçons sous une couverture. Ah, mais pas du tout. C'est marrant, il n'assume pas, hein. Bien, inspecteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? On est un peu pressé. Je comprends ça. Oui, parce que monsieur Tong est sur le point de décoller. Ça m'étonnerait. Pourquoi? Je suis revenu pour vous dire que votre taxi était parti, monsieur Tong. Parti. Il hurlait dans sa radio, j'ai entendu votre nom et votre adresse. Et puis j'ai entendu aussi quelques adjectifs. Taré, connard. Je vais en appeler un autre. Il a ameuté ses collègues, vous allez avoir du mal à en trouver un autre. Il a laissé votre valise sur le trottoir, monsieur Tong. Ma valise? Quelle valise? Ta valise avec tes vêtements et ceux de Lily. Cette valise-là. La valise avec les accessoires de nudiste. De nudiste. Il est au courant pour ça aussi, de passeport. Mon Dieu, j'aurais dû rester couché. Je vais la chercher. Non, c'est pas la peine. Il préfère qu'on la laisse dehors pour l'aérer et tout ça. Je sais plus très bien ce que je préfère. Ne me dérangez pas. Comme vous voudrez, mais si on vous la pique, vous venez pas porter plainte. Et encore merci pour votre contribution à nos bonnes œuvres. C'est un plaisir. Il se réchauffe, votre ami? Ah mon Dieu! Écoute, ça aurait pu être pire. Hein. Je ne vois pas comment! Il aurait pu se joindre! Bon, Marie, tiens, donne-moi les clés de ta voiture. Ma voiture, pourquoi faire? Pour les Roissy, t'as entendu, j'ai plus de taxi. Bah, et la tienne? J'ai le garage, je l'avais laissé dans la rue, on m'a volé le moteur. Ouais, mais j'en ai besoin de ma voiture, moi. Moi aussi, bon, 20 000 balles. 40, elle sort du lavage. 30. Ça marche. Stop là. Ah, ça m'a fait peur. Marie est mal partie, là. Il fallait lui reprendre la bouteille de cognac. Ah, oh, bah justement, elle a fini. Maintenant, elle a trouvé le bocal de cerise à l'eau de vie. Elle s'est jetée dessus, elle crache même pas les noyaux. Et où on va, là? On va. Justement, elle refuse de bouger d'ici sans un billet de retour dans son sac. N'importe quoi. Moi, par contre, j'aurais bien planqué à l'étranger. Pourquoi ça? Ils vont à raconter à ce pourri de flic que j'étais un affuriste bisexuel. Attends, ça arrive à quoi? Ils vont me raconter des choses pareilles. Sur le coup, j'ai pas trouvé mieux, excuse-moi. Tiens, voilà tes 30 000. C'est quoi faire? Je rachète la voiture. 30 000? Nous mettez au garage, ils voulaient même pas te la reprendre gratuitement. Ah. Vous m'avez pas dit ça, hein? Oui, mais le garagiste ne risquait pas de rater son avion, lui. Oui, on m'avait proposé un truc, mais on oublie. Vous pouvez peut-être aller chercher votre belle-sœur. Bon, c'est-à-dire que Madame Lemoy, elle a perdu un petit peu l'esprit. Elle n'est pas la seule, hein. Pourquoi? Je vais voir comment elle s'en sort à la cuisine. La bonne idée, Lily. 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 Ah, Lily. Alors, c'est vous la sœur de Madame Lemoy? Sa sœur. Sa sœur. Et vous devez être le mari de Madame. Il faudrait. Oui, bien sûr, oui. Oui, oui, mon mari et moi-même... Venons de la Réunion. Oh mon Dieu. Quelle coïncidence. Pourquoi? Vous aussi, vous venez de la Réunion? Non, c'est moi. Toi, tu viens de la Réunion. Mais comme si tu le savais pas, ma femme et moi, on était dans le même avion que vous, enfin. Ah bah oui, ta femme, je la connais, Marie. Geneviève! Marie Geneviève! Mais nous, on dit Geneviève! Geneviève! Tu peux m'expliquer quelque chose à propos de Geneviève? Plus tard. Vous avez pris l'avion tous ensemble? C'est ça, oui, Lily et Maurice, Geneviève et moi. Et vous êtes dans l'aquaculture, vous aussi? Aussi que quoi?
aussi que moi. Non, il fait son modeste, mais le vrai professionnel, c'est lui, moi. Moi, j'ai juste quelques bocaux, je fais ça en intérieur. Ouais. Je bricole indoor. Bon, si t'allais donner un coup de main à Lily pour le gros toilette, hein, Yvon. Non, on parle plus de lui, c'est déjà dit. Plus de qui? D'Yvon. Ça me fait trop de peine. Si vous pouviez nous laisser seuls dans ce moment de détresse, inspecteur. Yvon. Non, c'est trop frais, Boris. Il n'y a pas de blé. Oui, ils nous attendent dans la salle à manger. Parce que... il ne sait pas pour... Si, il sait, il sait. Je lui ai dit, mais... Il ne veut pas l'admettre. Dis quoi? Bah que ce pauvre Yvon était mort. Quand vous dites mort, vous voulez dire sans vie? Attendez, il est pas au courant, là. Non, j'avais pas terminé. J'avais juste dit qu'Yvon avait un petit coup de mou en ce moment. Ah oui, c'est même un gros coup de mou, hein. On a retrouvé son corps sous le pont de Créteil. Sous le pont? Oui, enfin, dans la Marne. T'étais au courant, toi, pour la Marne? Je suis en train de te le dire, mais tu m'as pas laissé finir. Ils vont dans la Marne. J'étais en train de t'expliquer qu'il avait les bras, les jambes ficelées, qu'il avait deux balles dans la nuque, et que donc, de ce fait, il avait un petit coup de mou en ce moment. Seulement, tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Tu ricanes. Les bras et les jambes attachés, là, ça peut expliquer son coup de mou. T'as un garçon très sensible, je voulais y venir doucement. Ils l'ont identifié grâce à sa serviette. Ah oui, ça lui semble. Voilà. C'est tout ce qu'il avait sur lui pour Yvon, quelques papiers, un agenda et la moitié de la gruyère tomate. Quelle horreur. Quelle horreur, faut pas exagérer. Le problème, c'est que la tomate mouille le pain, mais c'est très mangeable. Je veux parler de la mort de ce pauvre Yvon. Quelle horreur, c'est affreux pour Marie. Heureusement que son beau-frère est là. Mais je croyais que c'était moi, son beau-frère. Oui. 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 Mais tout le monde est son beau-frère. Sauf qu'on n'est pas les mêmes côtés. Toi, Maurice, tu as épousé la sœur de Marie, Lily, et moi, Fredo, je suis le frère de Feu Yvon, le mari de Marie. Faudrait peut-être que tu fasses que tu n'es plus un gamin. Faut que ça rentre là-dedans. T'as raison, je vais essayer de m'en souvenir. Oh. Vous voyez pourquoi je voulais y venir doucement? Non, il a des petits passages à vide, c'est depuis son accident. Mon accident? Son accident? Oui, oui, il y a des amnésies. C'est des petites amnésies, c'est un voile, comme un voile. C'est depuis son accident. C'est depuis son accident avec le thon. Oui, non, parce que il est obligé de plonger en bouteille pour son élevage. Comprenez-vous? Alors, je vous la fais courte. Un soir, il était parti pour rentrer les oursins, à la fraîche, et voilà qu'il tombe nez à nez face à un énorme thon. Mais un énorme thon! Un énorme thon qui était venu là pour... Vous savez comment sont les thons? Maurice l'a poursuivi, l'autre pas fou. L'a entré dans une grotte, mon Maurice s'est paumé. Il a manqué d'air, accident de décompression, caisson étanche, et tout. Là, il a jamais tout à fait récupéré. On l'a remonté, mais il est resté en fond. Là, il nous réclame des Daphné. Non ! Nous sommes tous les deux les beaux frères de Marie. Toi, Maurice, et moi. Moi. Ce bon vieux Fredon. Oh, ce bon vieux Fredo. Ça y est, ça me revient. Toi, tu es ce bon vieux Fredo. Moi, je suis Maurice l'amnésique et Yvon est mort. C'est ça, j'ai tout bon. Et nous sommes tous les deux les beaux-frères de Marie. Eh ben voilà. Comme son frère Bruno. Bruno. Oh putain, Bruno, j'avais oublié Bruno. C'est ton frère quand même. Et c'est moi qui suis amnésique. Bruno, le torero. Le torero. Bon, et ce Bruno là, ce Bruno, il a pris le même avion aussi? Non. Oui, il est de la Martinique. Non, parce que non, on se connaît pas, il était torero à Nîmes. Oui. Et là, il essaye de lancer le truc en Martinique. C'est pas évident, il n'y a pas la clientèle. On l'appelle El Crelito. Et il a fini son Scrabble. Oui. Et là, il a filé prendre son train
Le 23h07 pour Tolède. C'est ça, le 23h07 pour Tolède. Oui, parce qu'il y a faire affûter ces machins là-bas, il n'y a qu'à Tolède. Pour, là, c'est, pour faire affûter, il n'y a qu'à Tolède. Il y a des grosses meules de granit rose très, très abrasives, performantes. La grosse meule de Tolède. Je peux te poser des questions sur la grosse meule de Tolède? Aucune. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Bruno, El Creolito, est déjà dans son wagon-lit qu'il entraîne vers l'Espagne, Jean. Au revoir. Bienvenue. Dans ma voiture, je me suis dit, je peux pas laisser cette valise sur le trottoir. C'est vrai, l'idée que les gens puissent pas compter sur leur police. Leur police d'assurance, vous n'êtes pas concerné. Alors il est revenu. C'est ça, j'ai rapporté la valise. Merci Bruno. Pardon. Excusez-moi, il me semble que j'ai pas bien entendu. Vous avez dit merci Bruno? Oui, j'ai dit merci Bruno. Oui, on avait bien compris Maurice. Alors ce vieux Bruno est de retour. Bruno? Oui, Bruno. Bruno. On vous a pas présenté? Non. Ça, c'est formidable. Alors, personne ne présente personne dans cette maison. Hein, les gens qui sont là, d'autres qui sortent, d'autres qui rentrent. Résultat, personne ne parle à personne. Eh bien, justement, allez-y. C'est ce que je vais faire. Inspecteur Renard. Enchanté. Inspecteur de police? Oui. Commissariat de Champigny. Champigny? Et ça, c'est Bruno. Bruno Le Moine. Mon frangin et son beau-frère. Bruno Lemoëlle, oui, son beau-frère. Quelle famille! Ah, nous sommes très soudés, très soudés. Mais on parle, tu vas finir par rater ton train. Tu ne devais pas prendre le 23h07 pour Tolède, toi? Oui, si. Oui. Mais il me semble que ça serait plus intéressant pour moi de rester. Ah non, pas forcément, hein, Maurice? Oui, non, pas forcément, Fredo. Fredo? Oui, Bruno, oui. Non, on s'était mis d'accord sur le 23h07. La discussion est terminée. Je ne dis pas que la prochaine fois que tu repasses par Paris, on n'irait pas se faire un bon gueuleton, quitte à terminer dans un bar avec des serveuses topless. Je ne m'égoterai pas, mais là, il y a urgence. Mais tu vois, je réfléchis, finalement, j'ai tout mon temps. Quelle folie, mais quelle folie, mais quelle folie! Et tes corridas? Les corridas? Bah oui, ouais. Des toreros, c'est ton métier. J'invente pas, ça. Oui, bah justement, tu sais, il faut savoir accrocher la mouletta avant le coup de corne. J'ai perdu trop d'amis, moi. Je préfère profiter un peu de mon argent. Je reste. Bah, comme ça, il pourra assister aux obsèques. Ouais, les obsèques. J'adore les cérémonies. Attendez, vous n'étiez pas au courant? Pas dans les détails, non. Ah, mais non plus, tu n'as pas tout dit. Non, Maurice, je le préparais doucement également. Tu me préparais à quoi? Voilà, la triste nouvelle, ça. Ce pauvre Yvon est mort. Oh. Dis-moi que c'est pas vrai, Fredo. Hélas. Hélas, je peux pas te le cacher plus longtemps. Cela dit, il fumait tellement. Les poumons, j'imagine. Plein d'eau, il s'est noyé. On va peut-être pas rentrer dans les détails, Maurice. Si, entrons, si. Bon, bah je suis désolé, mais on a retrouvé votre frère Yvon noyé dans la mare. Voilà. Ah ben ça, tout petit déjà, il avait des tendances suicidaires. Hein. Ah non, c'est un crime. Là, j'attends Madame Lemoyne pour m'accompagner à la morgue, dès qu'elle aura pris son grog. Mais bien, Bruno, je suis vraiment soulagé que tu aies pu te libérer pour l'enterrement. Je ne pouvais pas ne pas être là, Fredo. Oui. Est-ce qu'on pense quoi faire, Maurice? Moi, je vais m'occuper de Marie, de l'inspecteur Renard et de la morgue. Ah. Toi, tu vas aller attendre avec mon frère Bruno dans la salle à manger. Tu crois que c'est une bonne idée, ça? Oui. Comme c'est toi qui as aidé Yvon à rédiger son testament, tu vas pouvoir lui dire combien il risque de toucher. Ah bah voilà, ça c'est une très bonne idée. Bien, Maurice, j'ai pas tout compris.
Il va falloir que tu m'expliques. Il n'y a rien à expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Il y a juste à compter la modeste part d'héritage qui lui revient. Bon. Où en est-il, inspecteur? C'est-à-dire qu'avant d'avoir la chance d'assister à cette réunion de famille, j'attendais que Madame Lemoyle se remette de ses émotions pour m'accompagner à l'Institut médico-légal. Je vous le dis. Je m'en fous. Je vais me coucher. Je vais parler si tu vas à la mort du mari. Ah non, 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 ça, elle peut pas y aller habillée comme ça. Je vais me coucher avec ça, ça et 24 Alka-Seltzer dans la chambre d'amis. Dans la chambre d'amis? Oui, oui, non, mais ça, c'est parce que c'est trop dur pour elle de se coucher dans le même lit où elle a été si souvent heureuse avec Yvon. Et Yvon qui a voulu partir, pas moi, et le jour de son anniversaire en plus. C'était son anniversaire aujourd'hui. Oui, oui, il y a des jours comme ça où c'est pas facile de partir, quoi, Yvon. Vous ne répondez pas, hein? C'est une erreur. Et comment vous pouvez le savoir? À l'oreille, ça c'est la sonnerie de quelqu'un qui se trompe, hein, écoutez bien. Allô? Pardon? Ce veillet de balai? Ah ben non, monsieur, désolé, vous trompez de numéro. Ben, vous aviez raison. J'ai été accordeur en PTT quand j'étais jeune. Si vous pouviez aller préparer ce grog dans la cuisine, moi, je vais aller rhabiller Madame Lemoyle. D'accord, enfin, on se dépêche un peu quand même. Tout respect, avec tout le respect que je vous dois, il nous faut du temps. Nous sommes là face à un drame humain. On ne peut pas bousculer comme ça des petits êtres fragiles, confrontés au grand mystère de la mort, qui nous laisse abasourdis sur le rivage, en deuil. En deuil. Ben oui, je comprends, vous voulez que j'appelle un médecin? Non, merci, c'est complet, ça va bien. Bon, Marie, on y va. Marie, Yvon, Yvon est à la morgue de Saint-Maur. Yvon a bien de la chance, ça je peux te le dire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je m'en sors pas avec ton copain. Pourquoi, il refuse l'héritage, peut-être? Non, au contraire, c'est même la première fois que je rencontre quelqu'un qui négocie sa part. Négocie? C'est-à-dire, pour l'instant, ça bloque à 200 000. Ah. 200 000? Il veut 100 000 pour la boucler à propos de Maurice Bruno, Fredo et les autres. Merde, et le reste? 50 000 par tête pour oublier nos saloperies sous la couverture. 50 000, mais c'est immonde. Et d'ailleurs, il n'y a aucune raison que je paye pour toi. Hein. T'es gonflé. Marie s'est barricadée dans la salle de bain. L'autre chose. Elle a mis France Musique plein pot, je m'entends même plus hurler. Eh ben, t'as de la chance. Oh. Tu pouvais pas fermer ta grande gueule, toi. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Ton connard de mari n'a rien trouvé de mieux que de balancer aux flics combien il y avait dans la serviette. Avant, il était prêt à accepter 20 briques de plus, toi, t'as vu 10% du global. Je suis désolé. Je suis, tu peux. Moi, je vais recommencer une nouvelle vie. Si j'ai continué comme ça, j'aurai même pas de quoi acheter du sarrasin pour les crêpes. Allons, allons. Si on réfléchit bien, c'est très raisonnable. Avec 70 briques, tout est compris. Les 10 de base, ton décès brutal et nos attouchements sous la couverture. C'est quoi les attouchements sous la couverture? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est pas ton problème. Où est Marie? Elle s'est barricadée dans la salle de bain avec Pavarotti. Elle ne supporte pas l'opéra. Elle supporte pas l'alcool non plus. Moi, on se débarrasse déjà de l'escroc. Vous voulez un coup de main, inspecteur? Non. Bon, qui prend du grog? Nous trois et vous. Et Bruno? Ah non, Bruno, lui, il serait plutôt champagne en ce moment, vous voyez. Bon, Madame Lemoyle se remet? Non, c'est pas brillant. Écoutez, il me faut absolument quelqu'un pour reconnaître ce corps, mais pas forcément Madame Lemoyle. N'importe quel parent peut faire l'affaire. Ah non, 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 non. D'habitude, c'est un des hommes de la famille qui se propose pour cette tâche délicate. Je ne propose rien, c'est pas mon jour. Maurice, sois chic. Non! Et en plus, je peux pas aller à la morgue. Pourquoi? Mais parce que... J'en ai bien à prendre dans 5 minutes. Mais tu prendras le suivant, puis est-ce qu'on est payé pour ça? Tu pourras te faire le concours. Attendez, attendez, attendez. C'est gratuit, hein? C'est un service rendu à la justice. Oui, mais rien n'empêche ta famille de lui donner un petit quelque chose pour ses frais de déplacement. Mais quels frais? C'est à 3 km. Si, pas de la Réunion, faut qu'il y retourne, moi, écoutez, inspecteur. On va résoudre ce petit problème en famille. Allez, préparez ce grog. Il est prêt. Oui, mais on va voir le résultat. Il est froid, faut en faire. Allez, hop. Jacques, va à la morgue, je t'en supplie. Plutôt crever! De la part d'un ami, c'est pas très élégant. Tu crois que c'est élégant de me mouiller dans tes magouilles? Je suis prêt à être rémunéré. Tu sais très bien qu'il s'agit pas de ça. Combien? Une brique. Trois. Deux. Et demi. Top là. C'est fou ce que ça file. Non, non, là, Jacques, tu me déçois. D'abord la voiture, maintenant ça.
On ne se fait pas payer pour aider un ami. Mais c'est plus un ami, c'est la famille. Bon, Sylvie, va chercher Marie. Je t'ai déjà dit qu'elle s'était barricadée dans la salle de bain. Eh ben, défonce la porte. Défonce la porte. Mais je m'en fous de cette porte, on déménage, on ne sert plus. Eh ben, je prends l'extincteur pour faire bélier, alors. Bon, donne-moi les clés de ta voiture, quoi. L'argent d'abord. T'es pas un sentimental. Je me contrôle. Alors, on a dit 2 briques 5 pour la mort, 30 000 balles pour la voiture. Je sais. Ça fait 55. Je sais compter, c'est mon métier. Monsieur Lebray. J'attends toujours. On faisait un petit briefing. Entre hommes, comme d'habitude. Alors, ça ne va pas recommencer. Ne vous inquiétez pas, je suis une tombe. Je suis tellement ému par l'ampleur de votre générosité. Non, c'est... On avait parlé de 10%, n'est-ce pas, monsieur Le Moyen? C'est pas moi qui ai parlé, c'est lui. Tenez, j'ai déduit la compte de 10 briques. Merci. Rassurez-vous, ça finira pas dans les caisses du Téléthon. Et voilà pourquoi, 55. Vous aussi? Oui, mais moi je l'ai dépanné. Hein. Dites donc, à ce tarif-là, vous devez avoir des spécialités. On s'est fait prendre tous les trois. Mais c'est vrai ça, qu'est-ce que vous fabriquez sous la couverture? À votre avis? Pardon, ah non, non. Ça suffit avec ça, je suis fatigué, moi. Mais ne faites pas cette tête-là, c'est un flic, il a vu pire au bois de Boulogne. N'est-ce pas, inspecteur? Je préparais du grog. C'est une excellente idée, ça. Parce que je... Je pensais me trouver au sein d'une famille bouleversée par le deuil. Ben, j'ai l'impression que le moral est au beau fixe. Alors, dans ces conditions, je retourne à la voiture. J'appelle la mort par radio ici dans 5 minutes. Je n'ai pas un membre de la famille à mes côtés pour l'identification. Je boucle tout le monde. Et je m'arrangerai pour que vous ayez des cellules séparées. Qu'est-ce qui vous a pris? Ah non. Oh, on peut bien s'amuser de temps en temps dans ce métier, allons. Oui, mais maintenant on passe pour une bande de tarlous. Mais il s'en fout, lui, c'est un flic honnête. Il a un meurtre sur les bras. Quand Maurice aura identifié le corps, il lui foutra la paix. Et toi? Si mon indique est fiable, tu seras à Buenos Aires. Si l'indique pouvait faire de sa grande gueule de temps en temps. C'est pas des paysés là-bas. Pourquoi? Il y a beaucoup de Français? Non, non. Beaucoup d'escrocs. Tiens! La femme est folle! Elle a failli me tuer avec l'extincteur, c'est le lavabo qu'a tout pris! Elle a ouvert la porte au moment où j'allais l'enfoncer, j'étais emportée par mon élan. On t'arrête tes bêtises, tu prends ça et tu t'habilles dans la voiture de Jacques. La voiture de Jacques? Oui, maintenant c'est le vivant, Jacques m'a vendu 30 000 francs. Oui, je lui donne 25 000 de plus pour aller à la morgue. Jacques va à la morgue? Oui. 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 Non, écoute. Ici, la situation évolue. Très rapidement! Alors si tu veux comprendre, c'est pas le moment de s'enfermer dans les voitures! Marie! Ton manteau! Mais Marie, qu'est-ce que tu fais? Je viens me coucher, j'ai pas besoin de manteau! Marie, s'il te plaît, tu prends ça et tu t'habilles dans la voiture! Non, écoute-moi! Merde! Moi, je veux pas aller passer ma vie à Pénosseur à faire des crêpes sous le nom de Madame Lecoq! Marie, tu n'es pas en état de discuter! Non, mais je suis pas en état de voyager non plus, hein! Il y a le compte, voilà les clés! On y va, Marie! Écoute, tu l'as épousé pour le meilleur et pour le pire. On doit suivre son mari partout. Oui, mais pas quand il devient fou, c'est pas dans le contrat. Marie, tu pousses le bouchon un peu loin. Tu sais ce qui te pend au nez, c'est que je vais y aller tout seul. Voilà ce qui va arriver. J'en ai marre d'être le mec qui noircit ses grilles de l'auto et qui voit jamais ses numéros gagnés. Mais sortir de toute cette médiocrité, on en rêvait à deux, non? Mais si tu veux plus rêver avec moi, je vais tout seul. Je prends l'avion tout seul. Comme un con. En première. Au Buenos Aires. Et bon voyage! Sylvie, mais raisonne-la! Enfin, tu vois bien qu'il veut pas y aller tout seul! Eh ben, il se trouve une autre Madame Le Goff! Alors, qu'est-ce que tu crois? Qu'une femme ne peut pas perdre la tête pour moi? Qu'une femme ne peut pas sentir son cœur chavirer? Et qu'après avoir réfléchi à peine 30 secondes, elle ne peut pas se laisser emporter par son destin? Tout plaqué, me suivre au bout du monde? Et tourner par la perspective de partager ma vie? Et tout mon pognon? Tu rêves, mon pauvre ami. Arrête! Pas du tout, d'ailleurs, j'en connais plein. Hein. Ah oui, qui ça, par exemple? Oh, bah par exemple... Par exemple, moi? Oh.
Oh non, moi je veux dire. Non, c'est vrai, je trouve que ça n'est pas tant, moi j'irai sans problème. Quoi? Écoute, Marie, tu veux pas y aller, c'est bête de gâcher. Alors s'ils vont, veux bien moi, voilà. J'y vais. Alors, ma voiture, je veux bien, elle est ténace. Ma femme, non. J'hallucine, tu vas pas accepter ça quand même. Et pourquoi non? Sylvie, ils sont dans la voiture, l'avion décolle à 22h15. Et moi? Toi, tu veux pas partir, faudrait savoir. Ben non, attends, elle était prioritaire, tu peux encore changer d'avis. Je voudrais pas te priver. Jacques, tu comprends? J'ai du mal à réaliser. Ah non, c'est pas possible. Marie peut pas rester là, lundi matin, le flingueur va se pointer, ça va être un bain de sang. J'ai la solution. Ok. Elle habite avec Jacques. Avec Jacques. À Créteil. Oh non. Et là-bas, elle sera en sécurité oh avec non. lui. Alors. Attends. Oui. Attends. Moi, ça me rassurait de te savoir avec Jacques, puisque tu veux pas partir. Tiens, Jacques, pour tes frais supplémentaires, tu lui achèteras un petit quelque chose de temps en temps, une bricole, hein. C'est pas qu'on s'ennuie, Marie, mais il faut qu'on y aille. Eh ben oui. Tu vas pas pouvoir nous joindre hein? Ben non. Tu enverras une carte postale de temps en temps, histoire de faire un petit coucou. Ben voilà, ça fait toujours plaisir. Sylvie, tu as un passeport? Oh ben oui, mais il est à la maison. Ben dépêche-toi, on va passer le prendre. Oh, c'est fou, hein, ce qui nous arrive. Bon, écoute, mon vieux, occupe-toi bien de ma femme. Toi de la mienne, mais l'inspecteur t'attend pour aller à la morgue. Elle prend du Nesquik le matin. Nesquik. Non, on va te déposer en allant chercher son passeport. Oui, mais moi, j'aurais voulu ranger un petit peu ma maison avant de partir. Non. Tu rangeras la mienne, tu verras, il y a un chantier, tu peux pas savoir. Bon alors, vous êtes prêts? Ben, vous êtes pas partis, vous? Si, mais je suis revenu. On a sa conscience professionnelle. Et puis surtout, je me suis dit que personne n'allait me payer ce que j'avais au compteur. Bon, on y va, Roissy? Ah non, changement de programme. Encore? Et moi, je vais à Roissy. Oui, avec votre femme. Non, elle va à Créteil avec monsieur, sauf que lui, il va à la morgue. J'ai qu'un volant, je peux pas aller partout. Ça tombe bien, vous allez nulle part. Lui, va avec le flic, moi, j'ai sa voiture. Elle est avec nous, on la dépose. On va alors récupérer le passeport de sa femme. Tiens, mets ton manteau, Marie. Non, mais moi. Et j'ai déjà 220 francs au compteur. Je viens de perdre 80 briques, vous pouvez bien perdre 220 balles. Comment ça, 80 briques? Oui, je vais vous expliquer. Ta gueule, toi. Quelle heure vous avez? On est passé en heure de nuit, j'ai toujours 220 balles au compteur. Lâchez-moi avec vos 220 balles. Bon, ce qu'on va faire, pour pas perdre de temps. Moi, je vais prendre sa voiture pour la récupérer le passeport de sa femme. Vous, vous emmènerez la mienne chez lui à Créteil dès qu'elle sera prête, vous attendrez là-bas et lui, il vous réglera en sortant de la morgue. Pour faire simple. Attendez, vous emmenez sa femme à Buenos Aires et la vôtre va habiter chez lui? Oui, absolument. Mais ça se fait pas chier les comptables, qu'est-ce qui m'a pris de faire taxi? Attends, faut gicler, sinon je vais rater mon avion et vous, vos 220 balles. Allez hop. Marie, mets ton manteau. Je peux pas, quelqu'un il m'a volé une manche. C'est pour où la valise? Benazer ou Créteil? On s'en fout. C'est pas le même climat. Jacques, à la morgue. Je ne bouge pas avant de connaître le plan définitif. Si ça continue comme ça, j'ai retrouvé le chauffeur de taxi dans mon lit. Voilà. Ton courrier, qu'est-ce que je fais pour ton courrier? Elle a d'autres chats à fouetter, mon... Peluche? On ne peut pas partir sans peluche. Quelle peluche? Le chat, on a complètement oublié le chat. Je l'ai pas vu de la soirée. C'est pas grave, tu viendras te chercher plus tard. Elle vient. Mais plus tard, il y aura le flingueur, elle va se faire égorger. Ah mon Dieu, le flingueur! Ah non, Marie, non, on a vraiment pas le temps, là. Je crois que je vais pleurer. Écoute, retiens-toi, tu pleures à la mort, ça fera plus vrai. Je vais essayer, mais tu... 5 minutes, oui. Je vous avais donné 5. Il est prêt, il vous attendait. Il est là, il est là. Au point, j'en suis. Excusez-moi, je pourrais pas chercher peluche avec vous. Oh bah oui, c'est ça. Sous la couverture. Ah, j'ai du travail, moi. Au revoir, inspecteur. On récupère le chat et on décroche, maintenant il y a le feu. Ça tourne, vous savez. On sait, oui. Ça sonne aussi. On sait, oui. Allô, marché, monsieur Paris. Ici la secrétaire sur Yvonne, pardon. Ah non, non, pas balai, pas balai. On est en pleine période de sol débordé. Il faut dire que les gens ne sont pas raisonnables. Ils achètent des hosties sans même les essayer. Alors, forcément, ils vous les ramènent. Mais nous, on ne peut pas prendre les hosties qui ont été léchées. Non, 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 non. Je sais bien que le Vatican le fait, mais nous, on ne peut pas. On a qu'à petite licence, mais il faudrait rappeler plus tard pour les balais quand on aura repris la gym. Qu'est-ce que vous êtes? Je t'attendais. Je sais plus, madame Lemoyne, je
indépendant, ça. Allez, t'as vous. Non, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle est un peu méchée. Non, mais elle est complètement bourrée, oui. Si vous voulez. Non, et si elle vomit dans mon taxi? Là, vous mettrez un plastique, mon vieux. Pensez à votre compteur. Et comment je l'en ai dans le véhicule? Elle tient même pas debout. Portez-la! Eh, je suis chauffeur de taxi, Paul Ivoire. Oh, allez, amenez votre taxi devant la porte, on va vous la charger. Tiens, une boîte. C'est le flingueur qui va appeler. Je tiens quand même à vous préciser qu'on en est à 300 francs au compteur et que le taxi n'a toujours pas fermé. On s'en fout. Je vais la porter. Je peux pas la porter. Je vais me faire tourner entièrement. Allô? Hein? Ben non, il n'y a pas de sonnier de balai ici. Mais lâchez. Alors, votre trompette numéro là. Vous êtes chez un particulier à Saint-Maur, 152 rue Pierre Brossolette. Pardon. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il vous dérange en plus. Mais vous m'avez donné notre adresse au flingueur. Mais quel flingueur? Sonnier de balai. Et c'est quoi, sonnier de balai? Je vais descendre Marie dans le taxi, vite, vite. Police! Trop tard, Peluche, il a 7 vies, moi j'en ai qu'une, on décroche. Eh ben, il était temps. Bon, vous avez combien votre compteur, vous? 300. Enfin, 320 maintenant. Mais bon, on peut y rien foutre. Mais je préfère un rouler, moi. 500 balles, ça vous irait pour aller à Créteil? Ouais, ça dépend à quelle heure on part. Donc, Sylvie, descend Marie. Non, mais tiens, elle est lourde. Mais elle est là, vous. Oh. Si jamais je rate mon avion, je... Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous dirait la moitié d'un sandwich? C'est ta serviette. Non, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu mou. Tu veux que je te dise ce qui s'est passé? L'inspecteur Renard roule vers la morgue avec une serviette qui contient 650 briques. 650 briques? Mais quel porc! C'est foutu, j'ai tout perdu, moi. Je suis désolé, moi. J'avais tout, ma Benazer, Bali, une nouvelle femme prête à me suivre au bout du monde. Vous me donnerez l'adresse de votre agence de voyage? Tout s'écroule, lundi matin, je replonge les RER bureau, goodbye Benazer, bonjour Madame Cross, don't cry for me, Argentina. Moi, ça m'a dessoulé d'un coup. Et qu'est-ce que tu vas dire au flingueur? Attends, j'ai oublié. Ouais, moi, je m'en fous de vos histoires, qui est-ce qui va me payer? Vous aurez qu'à demander au flingueur, il est très généreux, il arrose facilement. Jacques, tu n'es pas parti. Où est Renard? Dehors. Bah, t'as identifié le corps? Oui. Déjà? Oui. Mais pas à la morgue, et pas le corps prévu. On vient d'écraser Peluche! C'est quoi Peluche? Ça se mange pas, en fait. C'est un petit chat. J'ai mon brevet de secouriste, je vais voir ce que je peux faire. Je suis désolé, Yvon. C'est pas grave. Il s'est jeté sous les roues de la voiture. Ce sont des choses qui arrivent. Où est la serviette? La serviette? La serviette, avec l'argent. Eh ben, elle est là. Mais non, ça c'est la mienne, l'inspecteur Renard est parti avec l'autre, il est où? L'inspecteur? Oui. Dans votre jardin, il creuse sous les hortensias. Il enterre le chat. Oh. C'est un miracle! Le petit chat n'est pas mort, il a remiolé. Inspecteur Renard! Bon, il est encore un peu plat, mais ça revient doucement. C'est formidable. Mais dis quelque chose, toi. Formidable. Bien, monsieur Tonk, on va pouvoir y aller. Attendez, inspecteur. Quoi encore? Vous n'allez pas reprendre le volant dans cet état. Bah, quel état? Regardez-vous, j'ai tout pâle, vos pupilles sont dilatées, vos narines se pincent. Remarquez, c'est normal quand on vient d'écraser quelqu'un. Mais c'est pas quelqu'un, c'est un chat. Oh là là, faut pas dire ça, c'est pour malheur. Oh là là. On n'est même pas reconduire quand on a écrasé un chat. Non, non, vous êtes fatigué. Écoutez, ce qui me fatigue, c'est cette famille, c'est votre maison, là. Je voudrais en finir une bonne fois pour toutes, monsieur Tonk. On y va. Oui, ce grog, on n'a pas pu ce grog. Mais je n'ai pas soif, je n'ai pas envie d'un grog. Bah, nous aussi, depuis longtemps qu'on en parle, ça, vous donnez un coup de fouet. Écoutez, c'est ce qu'il sait, je fais preuve de beaucoup de patience, hein. C'est tout à votre honneur. Non, mais ça suffit. Alors? Ben voilà. Je peux comprendre la douleur dans laquelle vous plonge la mort de monsieur Lemoyne. C'est vrai, vous avez été formidable. Formidable de taille, de délicatesse. D'ailleurs, je vais vous recommander à des amis. Non, c'est vrai, des fois, on cherche un flic. Mais maintenant, j'exige de pouvoir effectuer une formalité à la morgue. Si vous le dites pas, comment voulez-vous qu'on le sache, hein? Monsieur Tonk est à votre disposition. Alors, monsieur Tonk, vous allez me faire le plaisir de venir avec moi reconnaître ce cadavre.
Je crois que je vais tenir le coup. Je me suis déjà un petit peu entraîné sur le chat. Tout s'arrange. Il n'y aura pas de séquelles, il m'a reconnu. Peluche est sauvé, Yvon. Bien entendu, Yvon. Où que tu sois, Peluche est sauvé. Allez, on y va, parce que... Marie, on a récupéré l'argent. Ça veut dire que Créteil et Buenos Aires reviennent à l'ordre du jour. Oui, oui, mais tu auras Peluche avec toi, comme ça tu t'ennuieras un peu moins. Et pourquoi elle s'ennuierait avec moi? Oui, oui, Peluche attend dans le taxi, je cherchais son panier. On n'a pas le temps, Marie. J'emmène aussi le mixeur pour lui faire des petites purées maintenant qu'il a plus de temps. Marie, le flingueur connaît notre adresse, il sera là d'une minute à l'autre. Le flingueur connaît ton adresse? Oui. Qui? Quand? Comment? Qui? Le connard qui répare le chat dans son taxi, quand? Il y a 5 minutes, comment t'occupe? Chaque seconde compte. Marie, laisse tomber le mixeur, on y va. Dans le temps, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Je suis super équipé en petite électroménager. Quoi? Sylvie, on a récupéré l'argent. Oh, oh, t'es génial. Vous pourriez attendre d'avoir décollé. Je vais chercher Marie, à tout de suite, madame Le Goff. Un petit bibi. Non. J'espère que vous allez bien vous amuser. Je penserai à vous à la morgue en riant. Ah ben justement, parlons-en. Non, non, non. Là, c'est fini, je me braque, je n'attends plus. J'arrive. Oui, l'an 2000 aussi. C'est trop tard, mon petit gars, où est votre belle-sœur? Clermont-Ferrand, pourquoi? Ah non, 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 là, il veut parler de Marie. Ben évidemment, je veux parler de Marie. Marie la cinglée, la voix vétilique. Alors écoutez-moi bien, Marie l'hystérique va venir reconnaître le corps de son défunt mari, que ça lui plaise ou non. Oh ben laissez-moi. Ah non, 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 non. C'est très contrariant, je vais passer une mauvaise nuit. Alors vous, vous allez passer une très bonne nuit à Fred si vous continuez à la ramener. Elle s'est braquée sur son histoire de mixeur. T'es pas parti, toi? Non. Et monsieur Tong reste ici, c'est votre belle-sœur qui va m'accompagner. On avait dit que c'était mon mari. Mais je sais. Mais je sais. Hein. On avait dit beaucoup de choses, mais on n'a jamais rien fait. Alors maintenant, je me rédige, j'exige, voilà le programme. Madame Lemoine va venir à la morgue. Que la vue du sang la traumatise. Que le spectacle du corps de son mari atrocement mutilé la rend hystérique. Que l'état de décomposition des chairs lui fasse régurgiter son cognac et ses cerises à l'oli. Je m'en tape, je m'en fous, je m'en contrefous. Mais si elle n'est pas dans ma voiture dans la minute qui suit, je lui passe les bracelets et je la coffre. Mais madame Lemoine n'est pas... Oh, dans ta gueule, la fiotte. Tu prends ta couverture et tu retournes faire tes saloperies sur ton lit. Demain. Ça fait deux fois. Ah oui, mais là, on a dû l'énerver sans s'en rendre compte. Hein. Oh, j'en peux plus. Le flic va tomber sur mon pognon, le flyer va me choper, moi, mon sandwich. On va tous se retrouver dans le grand frigo, là. J'ai plus le moral. Il faut se tirer avant qu'il arrive. On se tire où? J'ai plus la roue. Vous viendrez habiter avec nous à Créteil. Tu pourrais me demander mon avis? Je vais chercher Marie. Une fois dans ton existence, tu pourrais comme... Votre taxi vient de percuter ma voiture en reculant. Quelle horreur! J'ai donc effectué une marche arrière un peu brutale pour me dégager, ce qui m'a amené à renverser un passant. C'est moche. Oh oui. C'est grave. Bah, c'est-à-dire qu'un passant renversé par une voiture de police, c'est moyen. Inspecteur, vous voulez pas vous débarrasser de... Ah, vous foutez-moi la paix, hein. Si j'en suis là, c'est à cause de vous. Si. J'ai appelé une ambulance, faut que j'attende qu'elle arrive. Bon, nous, on va peut-être en profiter pour rentrer sur la réunion. Vous restez là, vous. Bon, d'accord. Vous, ramenez-moi, madame Lemoine. Nous partirons dès que le SAMU aura chargé le blessé. Je me demandais si je pouvais... Non, vous pouvez pas, non. Est-ce que vous avez une trousse de premier secours? Au premier, dans la salle de bain. Merci. Inspecteur? Quoi? Est-ce que je... Non, toujours pas, non. Inspecteur! Service! Oh.
les garçons. J'ai l'amabilité de dire au chauffeur de taxi de rester sur les lieux qu'il ne fasse pas des vite fuite. Merci. Mais si vous pouviez cesser vos activités, il y a des choses plus urgentes à faire en ce moment. Je suis désolé, Yvon, hein. Qu'est-ce que t'as encore fait, toi? Eh ben, Sylvie m'a dit, c'est l'inspecteur qui a ton argent. Ah non, il avait, n'est-ce pas, Jacques? Ouais, et c'est reparti pour Buenos Aires. Attends, c'est la serviette fric? Absolument. C'est la serviette, la vie est à nous. Dis-leur, Marie. Bon, écoute, j'ai réfléchi. Ça, c'est mauvais signe. Et finalement, je me suis dit que ce serait peut-être pas plus mal si je venais avec toi. Marie. Eh ben, j'étais saoulée tout d'un coup, et puis ça a fait le ménage dans ma tête. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais pas priver Sylvie, elle a l'air d'y tenir. Ben, tu veux venir aussi, toi? Si ça dérange pas. Pas du tout, au contraire. Au contraire. Et moi, dans tout ça? Écoute, toi, t'es mouillé jusqu'au cou dans cette histoire. Il ferait mieux de te tirer avec nous. Mais et mon enfant et patron, qu'est-ce qu'il va dire? T'en as à foutre, tu le reverras plus jamais, bon, on y va. Non, il faut récupérer Peluche. Oh. Il est avec Louis dans le taxi. Faut pas oublier de lui payer sa course, parce que sans lui, le flic l'aurait enterré vivante, cette pauvre bête. Allez, hein. Pas la caisse. Bon, oui. Vous faites attention, il y a un extincteur encastré dans le lavabo. Mais c'est une manie chez vous, hein? C'est une petite réunion de famille. Quelle santé! N'arrête jamais! Attendez, je comprends plus rien là. Vous deviez pas être à Tolède, vous? Non, c'était pas possible pour moi de partir dans un moment pareil, en plein deuil. Un peu de chaleur humaine s'impose. Ah bah ça, pour la chaleur humaine, ils débrouillent très bien sans vous. Dites-y, hein. Pareil que c'est vous qui avez renversé le type dehors? Faudra appeler une ambulance? Eh ben c'est déjà fait, figurez-vous. Ne vous inquiétez pas pour le mec, il est assis sur le trottoir, la tête entre les mains. Oula! Non, non, ça va, il reste attaché. De quoi? Sa tête, il l'a pas ramassé par terre, sa tête. Il reste attaché. Très, très drôle. Il faut se tirer avant que le flingueur ne débarque. Il a déjà débarqué. Ici? Mais oui. Où ça? Dehors, la tête entre les mains. Quoi? Votre copain Renard qui lui a gentiment roulé dessus. Comment vous savez que c'est lui? Il marmonne soviet balai, soviet balai. Il a l'air dangereux? Non, pas en ce moment, il voit plus très clair. Il a deux entorses au poignet, une cheville amochée. Ça, c'est bien fait. Et la mâchoire qui pendouille. Bah ça, ça lui apprendra à balancer les gens dans la marne. Hein. Non, il l'a pas raté, l'inspecteur Renard. Non, la voiture l'a juste un peu sonné. Moi, j'ai fini le travail quand j'ai compris qui c'était. Alors ça? Ça mérite une petite récompense. 5. C'était un petit peu le but de mon intervention, hein. Mais j'ai réfléchi. Vous savez, tous ces versements espacés, ce serait peut-être mieux de souscrire une sorte d'abonnement. On pourrait se mettre d'accord sur un échéancier. C'est-à-dire? Écoutez, emmenez-moi avec vous à Buenos Aires. Ça évitera les frais de virement. À Buenos Aires? Ben oui, je pourrais vous être utile, vous savez. Vous n'imaginez pas le nombre de gens malhonnêtes qu'il y a là-bas. Vous parlez en connaisseur? Tu sais, c'est pas une mauvaise idée, Yvon. Dès que l'autre sera sorti de l'hôpital, il va essayer de nous retrouver. Eh oui, d'autant qu'ici, je peux pas le finir. Tandis que là-bas, c'est plus libéral. Oui, mais dites donc, vous avez un beau métier ici, dans la police. Oui, et alors? Qu'est-ce qu'il va dire, votre chef? Il va être très content de me revoir, ça fait 6 mois qu'il se planque en Argentine. Non! Oui, mais vous avez un passeport au moins sur vous? Vous plaisantez, non? J'en ai 5. Allez! On file par derrière avant que Renard ne se repointe. On va prendre la voiture de Monsieur Tong. Ah, 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 ah. Puisque nous allons être amenés à cohabiter, je tiens à vous signaler que mon nom n'est pas Tong, mais Coquard. Très bien, Maurice. C'est pas Maurice, c'est Jacques. D'accord, Lily. Ah, c'est pas Lily, c'est Sylvie. Bon, attendez une seconde, vous appelez bien Marie. Et Yvon. Évidemment. Bon. Pour la route, non, non, on échange. Parce que j'ai besoin de quelques repères. Oui, bien sûr, il y a encore les gens qui pensent qu'on s'appelle Fredo et Geneviève. On y va, Bruno? Non, c'est Roland, moi. Oui, Roland, oui, Roland. Monsieur Lemouel. Ah, oui, il est peluche. Ah, il va bien, il se repose dans la boîte à gants. Non, mais c'est l'inspecteur Renard qui m'inquiète. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, bah justement, pas grand-chose, il est par terre. Vous l'avez écrasé aussi? Mais non, c'est le premier qu'on a écrasé qui a sommé l'inspecteur. Je sais pas, j'ai pas bien vu. L'inspecteur a voulu ramasser sa mallette, l'autre lui a balancé dans la gueule, il a morflé. Oh. Mais à mon avis, il y a un truc pas très catholique dans la soviète mallette de soviète ballet. Comment vous êtes au courant, vous, pour soviète ballet? Bah, je suis là depuis le début, je vous signale. Tu sais plus fort que moi, il faut que je m'intéresse. Bon, il est où maintenant? Il cherche le numéro 152. Non, non, mais rassurez-vous, il est encore un peu dans le potage, il cherche côté impair.
Bon, faut pas traîner maintenant. Oui. On n'a qu'à passer par derrière. Comment ça, on? Bah, je viens avec vous. Un Benozer? Ouais, je commence à m'attacher. Alors. Là, moi, j'ai déjà un garde du corps. Ah, vous aurez un chauffeur jardinier en plus. Ça fait 6. On va négocier un tarif groupe avec Air France. Qu'est-ce que tu fais? Une minute, j'en mets l'alliance syndicale avec le personnel. Le personnel. Je viens d'être engagé. Mais attendez, on attend quoi, là? Le délégué syndical. Quel délégué? Il nous accompagne en tant que chauffeur jardinier. Et le chat? Eh ben, là, qu'à faire vétérinaire en plus. Non, mais attendez, vous n'êtes pas mariés? Si, justement, elle ira jamais me chercher à Buenos Aires. Oh, t'es méchant! Passez par devant pour faire diversion, vous, nous, on va ramper par derrière. Tiens, aide-moi à bloquer la porte, ça va le retarder. Tiens, prends ça. Ah! Soviet Blay! Excusez-nous, je ne parle pas russe. Give me mon heart. Désolé, non, comprends des russes. Give me mon heart. Non. Ça doit être de l'allemand, du hollandais, écoute. Excusez-nous, parlez français, on ne comprend pas les langues. On ne comprend pas bien. Et puis... Comme ça, c'est clair. Tell tout fait. Non, c'est un regrettable malentendu, faut tout reprendre à zéro. Une. C'est ce qu'il fait. Quoi? Tu es. Il compte! Il compte jusqu'à quoi? Trille! Et j'achète la putain de nuit de fric! Attends, ma femme est sortie! Faire les coups! Non! Ma femme est sortie faire les courses avec la mallette du fil conventionnel, il faudra l'interprète! Vire! Et à quoi ça sert, toi bien qu'il va nous buter? Je veux bien qu'il vienne buter! Veif! Marina! Sorry, appelez! C'est l'individu qui m'a agressé avec sa mallette, là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On n'a pas bien compris. Il a dû nous faire un petit malaise. Il faut dire qu'il fait chaud. Oui, c'est vrai qu'il fait chaud, oui. Et des coups de feu. Oui, il y a eu des coups de feu ici. Qui a tiré? Mais qu'est-ce qui vous veut, ce type-là? Je commence à me demander si vous ne cachez pas quelque chose. Bah oui, la vérité, je vais tout vous dire. Quoi? Surtout non, faites pas ça. Après tout ce qu'on vient de vivre. Non, y'a rien à dire. J'y crois plus, je baisse les bras. Personne ne peut pas tout avouer. Ah ben voilà, j'ai pris cette serviette-ci par erreur dans un wagon du RER. Le type qui a pris la mienne a fini dans la mare à Créteil. Et celui qui l'a balancé dans l'eau vient de terminer sur mon carrelage. Cette serviette contient, comme vous le savez, quelques papiers, un agenda et la moitié d'un gruyère tomate. Celle-ci contient 7 350 000 francs. Moins. 10% pour lui, allez hop, 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 hop. Plus 25 000 pour lui et 30 000 pour une voiture qui ne vaut rien. Allez. C'est une occasion. Oui. Voilà pour les éléments financiers du dossier. Concernant les aspects humains de l'affaire, ce n'est pas Lily et Maurice de La Réunion, mais Jacques et Sylvie de Créteil, un couple de vieux amis. Ce monsieur n'est pas mon frère Bruno, il n'a jamais été torero, il n'a rien à faire affûter à Tolède, c'est un inspecteur de la... C'est un inspecteur de la pollution de l'île de Saint-Maur que j'ai rencontré par hasard à la shop de Rodez, où d'ailleurs je ne me livre pas à la prostitution car je ne drogue pas. Je tiens d'ailleurs à préciser au passage que nous n'avons pas à rougir de ce qui se passe sous la couverture. Lui, il a beaucoup de défauts, mais il est vraiment chauffeur taxi. Moi, je ne suis pas Fredo Lemoyle, le beau-frère de Madame Lemoyle, mais bien plutôt Yvon-Marie Lemoyle, son mari. Ce n'est pas mon cadavre que vous trouverez à la morgue. Cette mallette contient sans doute la marchandise que l'assommé s'attendait à échanger contre le contenu de cette serviette-ci, mais quand il a reçu cette serviette-là, il a balancé son malheur détenteur dans la mare et s'est pointé ici pour récupérer le poignet.
Vous pouvez répéter. Maurice, ah non, c'est pas la peine. Non, inspecteur, il comptait ramener la mallette demain matin au commissariat, bien sûr. Non, mais c'est pas ce soir, c'est son anniversaire. Vous savez, un an de plus, ça se coupe. Marie, laisse tomber. Cook, je vous demande pardon. Cocaïne. Cocaïne. Et pas qu'un peu, c'est une grosse prise. En plus, vous avez mis la main sur le dealer. Je pense que vous allez toucher une belle récompense. Ah bon? Je voudrais pas vous faire rêver, mais ça peut aller jusqu'à des 20 000 francs. Formidable, je vais pouvoir racheter un lavabo. Ce sont des gens comme vous dont la République a besoin, monsieur Lemoyle. Des citoyens droits et honnêtes. Absolument. Allez hop. Allez hop, on est arrivé là. Allez, aidez-moi à transporter l'individu jusqu'à l'endroit. Ça. Fuck, y'a de allez, oui, oui. Sors, man, plein de gré. Par ça, marqué. Allez, je me rappelle. Dis que l'ai-tu. Dis que l'ai-tu, man, plein de ça. Dis que l'ai-tu, man. Mais il me pointe du doigt. Mais puisque t'as dit qu'on comprend pas la langue, hein. Allez, Marie, tu peux faire partir le gigot, là. Bon anniversaire, Yvon. Ah oui, allez, va, bon anniversaire. Joyeux anniversaire, mon vieux. Je voulais simplement vous dire, sans rancune, et merci de ne m'avoir balancé. Oui, je suis pas sûr d'avoir rendu service au quartier. Bon, c'est peut-être mieux comme ça, après tout. C'est vrai, cet argent est en train de nous rendre fous. À cause de lui, j'étais prêt à quitter ce pavillon minable dont je rêvais tant quand j'étais mousse. J'étais prêt à entraver le cours de la justice en entubant pour un flic débile, à arroser une ordure, à payer 30 000 balles une épave à un abruti, à quitter ma famille ivre-morte que j'aime pour la première arrivée venue, à abandonner mon boulot, non, Madame Cross part en printemps, donc j'étais fou. Dis donc, c'est pour nous que tu dis ça. Ouais, c'est rappelé pour ce soir, mais on peut peut-être y aller demain. Où? À Roissy, bien osé. Oui, essayez de suivre, on n'a plus un rond. L'inspecteur est parti avec la serviette. Oui, avec la serviette peut-être, mais sans l'argent. J'avais mis à l'abri dans votre petite valise un réflexe. Joyeux anniversaire. Non, mais comment ça s'est rappelé pour ce soir? Comment ça s'est rappelé? Mais il y a bien quelque chose qui décolle de quelque part, je ne sais pas. Un vol de nuit, un cargo, un charter, un Canadair, l'aéropostal. Il y a bien quelque chose pour nous emmener, non? Qui ça? Nous? Le ripoux, l'abruti, l'alcoolique ou la salope? Mais je plaisantais! Je plaisantais, je raconte n'importe quoi depuis 2 heures. Alors, à force, bon, perdons pas de temps, faut y aller. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Devinez, malin, c'est le chat qui s'impatiente.